In Elohim nu, Veloishan, Veloishan, Shomer Israel. In Elohim nu, Veloishan, Veloishan, Shomer, Shomer Israel. In Elohim nu, Veloishan, ולא ישן שומר ישראל, הנה לא ינו ולא ישן ולא ישן שומר שומר ישראל. Il ne sommeille point, il ne dort jamais, celui qui veille sur Israël. Et au fond de mon cœur, j'entends sur le monde entier, parce que nous sommes aujourd'hui 23 septembre, et bienvenue à notre culte de Shabbat ici à Jérusalem. Nous sommes, paraît-il, comme diraient les Canadiens, rendus à une date très particulière qui peut concerner le monde entier. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas me lancer dans, je sais pas, une annonce que de la fin du monde, comme certains l'ont dit sur Internet pour aujourd'hui, ni sur l'enlèvement de l'Église, ni sur rien de tel. Je vais donner un message assez fort, et si je dois donner un titre à ce message, je dirais « Jézabel, nous voici ». Mais je voudrais ajouter tout de suite, pour ne pas qu'il y ait de malentendu, « Jézabel et Akab, nous voici ». Je voudrais vraiment, j'ai à cœur de faire un message sur Jézabel, en partant d'ailleurs de la parachate Hazinu, qui est la parachate du jour, et je vais la lire. Mais en introduction de ce message, je voudrais absolument préciser une chose. Il ne s'agit pas pour nous de nous attaquer à une femme, à des femmes, aux femmes. Il n'est pas non plus dans notre intention de nous attaquer à un homme, à des hommes, aux hommes, c'est-à-dire aux femmes Jézabel. Étant entendu que toute femme, si l'on veut être honnête et au fond des choses, puisque nous sommes tous des enfants de la chute, sauvés en Jésus, certes, mais imprégnés des mécanismes de la chute bien plus profondément que nous le croyons, toute femme porte en elle une capacité Jézabel qui sera révélée, manifestée et accomplie au pinacle ou pas, ou qui restera quelque part en chemin, mais qui est là. Et tout homme porte en lui Akab, homme démissionnaire, homme égoïste, homme replié sur son petit univers infantile, homme lâche, tout ce que vous voulez, tout homme le porte en lui, mais tout homme n'est pas censé éventuellement le développer jusqu'au pinacle, au point d'en devenir un Akab. Et former ensuite avec Jézabel un couple satanique. Je dis bien, je ne vais pas dire seulement démoniaque, j'insiste, satanique. Car derrière Jézabel au pinacle, derrière Akab au pinacle, il y a Satan. Et il faut avoir l'honnêteté, l'intelligence d'aller sonder les Écritures pour comprendre où cela démarre. Ça démarre à la chute, tout simplement. Et on ira un petit peu creuser cela, bien que j'ai déjà développé ça depuis des années et des années. Et ça ne semble pas intéresser les gens, c'est très curieux. Quand on donne aux gens les éléments qui leur permettent de comprendre à travers une enquête spirituelle dans la parole de Dieu l'origine de certains mots, ben non, ça n'intéresse pas. On dirait que pour certaines personnes, il y a un voile qui est mis parce que peut-être ils n'ont pas envie de connaître, parce qu'effectivement, connaître la source d'un mal, si l'on a un cancer, on peut très bien se dire, bon, je ne veux pas trop le voir, ou le regarder en face, et puis
il y a une souffrance, ne serait-ce que psychologique. Voyez-vous, pour gérer la chose. Il y a des gens, ça, qui préfèrent ne pas savoir ce qu'ils ont. Oui, d'accord, mais en attendant, vous avez un problème. Je me suis fait comprendre. Donc, nous n'allons pas... J'aimerais vraiment que nous comprenions une chose au début de ce message. Il s'agit pour nous de... Je dis bien pour nous, qui sommes tous ici, de... Non pas d'attaquer qui que ce soit. Il y a deux jours, le Seigneur nous a envoyé, ici, un homme. Nous l'avons rencontré une première fois en voyage, il y a plusieurs mois, et nous nous sommes demandé si c'était un ange ou si c'était un homme. Tant son attitude, ce qui émanait de lui, était pur, était saint, était sobre, sans apprêt, sans rien. Et cet homme nous a gardé dans son cœur, et nous l'avons gardé aussi dans notre cœur. Et il a reçu pour Dieu une mission de prier pour nous. Et voici quelques jours, Dieu lui a dit, tu prends l'avion, il vient de très loin, et tu vas trouver Chaim et Elisheva à Jérusalem, tu vas leur délivrer plusieurs messages de ma part. Ça s'appelle un prophète. Nous allons parler beaucoup dans le cadre de ce message, ce que je les appelle, de faux prophètes, parce qu'il y a beaucoup de faux prophètes. Mais vous savez, dans l'esprit des gens, de manière un peu primaire, un faux prophète, c'est quelqu'un qui raconte des bêtises. C'est pire que ça. Un faux prophète est un homme qui ne sait pas se démarquer par rapport à Jézabel. Le vrai prophète est toujours haï de Jézabel. J'ai rencontré Jézabel dans mon ministère, et elle m'a haï, parce que j'ai refusé de me soumettre à ses manœuvres, à ses manipulations, à ses tentatives de meurtre. Jézabel est meurtrière, Akab est meurtrier aussi. Vous lisez l'histoire de Jézabel, Akab avec la vigne de Naboth, ils sont meurtriers. C'est une des conséquences de la soumission à l'esprit de Jézabel et à l'esprit d'Akab. On va y venir. Qu'est-ce que j'étais en train de... Oui, je reviens à... Et cet homme est venu et il nous a dit, voilà, avec beaucoup de... d'un sérieux qui n'était pas du tout pontifiant, mais d'un sérieux du fait qu'il voulait absolument dire clairement ce que Dieu lui avait dit de nous dire. Et il l'a fait avec beaucoup de respect aussi, beaucoup de respect, ne cherchant pas du tout à s'imposer, avec un grand chapeau à plumes subliminal, un bâton rouge et vert, et des artifices, de l'huile à mettre partout, vous voyez ce que je veux dire. Non, il l'a fait avec une immense humilité, et pour nous c'était déjà le signe d'un homme envoyé par le Seigneur. Vous dire que son visage dégageait une sainteté réelle, et grande, voire même une certaine noblesse dans les traits que lui a dessiné le Seigneur. Bon, c'est inutile de vous dire, vous ne l'avez pas vu, mais nous l'avons vu. Alors, il nous a donné des paroles de Dieu qui ne pouvaient pas être autres que de Dieu. Pourquoi ? Parce que tout ce qu'il nous a dit s'imbriquait parfaitement et venait confirmer, voire un petit peu corriger, même un petit peu, tout petit peu, par endroit, tout ce que le Seigneur nous a mis à cœur de vivre prochainement, que vous ne connaissez pas, mais que nous connaissons. Alors, nous l'avons reçu avec beaucoup d'attention. Nous avons pris du temps, je ne vais pas vous raconter, il faut vraiment passer des choses extraordinaires dans la simplicité. Et à un moment donné, dans une parole qu'il m'a donnée, il a dit, voilà, tu dois aller avec une grande autorité pour faire ceci, pour faire cela, etc., etc. Mais le Seigneur va marcher devant toi et il va déraciner les choses mauvaises avec amour. Ça m'a frappé et j'ai pris cela avec beaucoup d'attention. Et je voudrais le dire ce matin, c'est avec amour que je veux
relâcher le message de ce matin concernant Jézabel et Akab. Je vais absolument gommer dans mon esprit, je connais des Jézabel, je connais des Akab. Qui n'en connaît pas aujourd'hui? Tout le monde en connaît et tout le monde est un peu perplexe parce qu'il ne sait pas comment réagir. J'aime autant vous dire que nous sommes arrivés à un temps où je le sens parce que en allant par hasard écouter l'un ou l'autre message sur Internet, ça m'arrive rarement, mais enfin, par moments Dieu m'y pousse. J'ai vérifié à plusieurs endroits que Jézabel, on parle de Jézabel et il y a une espèce de ras-le-bol, non pas des femmes qui sont Jézabel, ce sont des victimes, des victimes consentantes, mais ce sont quand même des victimes, mais de l'esprit de Jézabel qui a infecté toute l'Église aujourd'hui, un peu partout. Moi, je dirais qu'il était là depuis très longtemps, dans un état rampant, et qu'aujourd'hui, il vient à la lumière de façon évidente. Donc, nous voulons relâcher ce message sans oublier que nous aimons. Chaque femme qui est saisie par l'esprit de Jézabel comme une âme qui peut se repentir. Dans l'Apocalypse, lorsque l'Esprit de Dieu parle à l'Église de Thyatire, lui dit « Voilà ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses, n'est-ce pas, etc., etc., la femme Jézabel, on va le dire tantôt. » Mais il appelle aussi à la repentance. Il appelle à la repentance. Et de Jézabel, et de ceux qui trafiquent avec elle. Parce que Jézabel a toujours besoin d'une cour de faux prophètes ou d'hommes faibles, de type Akab. Autrement, elle ne peut pas fonctionner. Ils forment un couple, un duo infernal, qui est une espèce de moquerie à l'égard de ce que doit être un vrai couple. Enfin, qui est basé sur le respect, l'amour et les grandes valeurs bibliques du couple. On y viendra. Alors, voilà, j'ai donc introduit le message et j'espère que vous m'avez compris. Je voudrais en profiter, puisqu'on est là, pour vous dire que le roman « La balade de son nom », le voici, hein, eh ben, il est sorti, il est prêt. Je peux peut-être vous lire, je crois que le Seigneur me le permet, n'est-ce pas, la quatrième de couverture, hein. Voilà, pourquoi Sagmo l'a-t-elle abandonné? Le général rouge est-il le père de son nom? Cette jeune fille venue de quelque part, du fond de l'Asie, le découvrira-t-elle? S'il est le père véritable, apportera-t-il la réponse au secret qui ronge tout au fond le cœur de son nom? Andalus Gold, Paul Skifal, Sefouz Mila, la Sagaraminskaya, le parrain, Salif Gus, Beng, la folle, Dreyfus, l'impitoyable Kazakhstar, Gino Trois-Clac, Madame Lulu et bien d'autres seront autant de rencontres et de relais dans un parcours, une errance apparemment sans fin, et sans but. Son nom est à la recherche d'elle-même et lorsque tout semblera perdu et que rendue à sa terrible solitude sur la route poudreuse qui la ramène chez elle, la jeune fille, après le terrible épisode du carré en rond, et des monarques de fer dans un port du Nord aura le sentiment que la boucle est bouclée et que tout fut vain. C'est le moment que choisira un étrange personnage pour lui offrir sur le bord de la route quelques poissons grillés. Vous avez compris que son nom, c'est le nom de l'héroïne de ce roman. Et j'ajouterais que, pour peut-être court-circuiter ceux qui diront « voilà, il fait de la pub pour ses livres », etc. J'ajoute que nous l'offrons, ce livre, pas à tout le monde, nous ne pourrons pas, ça nous coûte de l'argent, hein, mais à toute personne qui n'aurait pas les moyens de l'acheter, qui aimerait le recevoir et le lire. Nous pouvons aussi envisager peut-être une édition en noir et blanc, parce que l'intérieur, il y a de la couleur, et qui nous permettrait de l'offrir ou des distributions beaucoup plus larges dans le cas d'évangélisation. Donc d'une manière générale, quand je parle de mes livres, et je vais encore le faire aujourd'hui, je suis obligé, eh bien j'ajoute toujours et j'ajoute déjà en préalable que si quelqu'un n'a pas les moyens d'acheter un de mes livres et veut l'acheter et le lire, je le lui offre bien volontiers. Nous essayons au maximum d'échapper à cet univers devenu très ambigu de l'édition chrétienne, il faut le dire tout net, qui est plus finalement quelque part, on va le dire, hein, une pompe à fric,
qu'une une véritable comment dire, mission quant à répandre de bons écrits qui en valent la peine. Et voilà, donc c'est pourquoi nous avons cette politique de donner tant que nous pouvons. Et nous le faisons. Voilà. D'ailleurs, voilà, donc je passe à présent au message. Bien, donc oui, alors si vous voulez recevoir ce livre éventuellement, ou bien écoutez, vous avez nos coordonnées, vous écrivez sur le site, ou bien voilà. Et ok, je crois que vous savez ces choses et vous êtes au courant. Nous lisons tout de suite la Parashat Hazinu, qui est donc qui se trouve dans Devarim, dans Deutéronome aujourd'hui, et au chapitre 32 donc de Deutéronome. Avec votre permission, je vais boire un peu d'eau parce que malheureusement, je ne sais pas pour quelle raison, mais je crois que j'avale de l'air en parlant et du coup j'ai le hoquet. Ma femme me dit toujours bois un coup. Alors je vais vite boire un peu d'eau. Merci Seigneur pour cette boisson dans le bon nom de Yeshua. Amen. Ok, Parashat Hazinu, chapitre 32. C'est très intéressant de voir. Je suis souvent demandé, quand je lis dans l'Apocalypse, que certains vont chanter le cantique de Moïse. Parce que moi, ce cantique, je ne le connais pas. Et je n'ai jamais su vraiment à quoi ça faisait référence. Et j'ai lu quelques commentaires assez vagues, finalement, de spécialistes, hein, de certains théologiens qui semblaient. Ça ne semblait pas très clair. Alors, c'est très intéressant que, et ça m'a saisi quand j'ai lu en exergue de Parashat Hazinu, il est écrit dans mon Chumash ici, le cantique de Moïse. Le cantique de Moïse. Et en fait, on va lire ce passage, et si vous lisez bien le cantique de Moïse, puisque c'est là le cantique de Moïse, c'est tout simplement un chant de louange à la gloire de qui ? De qui ? De Hachem. En tant que père, ce n'est pas le cantique de Moïse à la gloire de Moïse, peut-être que sais-je, parce que c'est le cantique que Moïse va élever, et en démarrage, c'est quand même extraordinaire qu'aujourd'hui je vais parler de Jézabel, et je commence par vous lire une écriture qui glorifie Dieu en tant que père, parce que c'est ça, il n'y a pas que ça dans Parashat Hazinu, mais il y a ça, en vague de fond, de manière essentielle. Alors je lis, prêtez l'oreille aux cieux, et je parlerai. Et que la terre écoute les paroles de ma bouche. Que mon enseignement ruisselle comme la pluie, que mon discours coule comme la rosée, comme des rafales de vent sur la végétation et comme des gouttes de pluie sur l'herbe. Lorsque j'invoquerai le nom de Hachem, donnez de la grandeur à notre Dieu. C'est Moshe qui parle. Quand j'invoquerai le nom de Hachem, donnez de la grandeur à notre Dieu. Le rocher, son œuvre est parfaite, car toutes ses voies sont justice. Dieu de fidélité et sans iniquité, il est juste et droit. La corruption n'est pas son fait. Et avec Jézabel et Akab, nous allons plonger nos bottes dans un océan de corruption. Parce que c'est le système d'une divinité femme élevée contre le système biblique, une divinité père, qui a été élevée au moment de la chute. Retenez cela, s'il vous plaît. On peut donc tout de suite dire, ce qui vient de Dieu, notre père, il n'y a pas de corruption. La corruption n'est pas son fait, ok? Mais ce qui vient de ce système maléfique de la reine du ciel, avec comme conséquence Jézabel, les déesses terre-mère dans toutes les cultures, enfin tout cela, c'est automatiquement iniquité et corruption. Et c'est à Hachem que vous rendez cela au peuple vil et sans sagesse. Ah non, pardon, excusez-moi. La corruption n'est pas son fait, c'est le vice de ses enfants, une génération perverse et tortueuse. Et c'est Hachem que vous rendez cela au peuple vil et sans sagesse. N'est-il pas ton père, ton maître ? Dieu, dans le cantique de Moïse, est déclaré père. Père d'Israël, père de toute la création, père de l'humanité. D'accord ? C'est clair.
allez dire, mais ça, on le savait. Oui, mais vous savez, beaucoup aujourd'hui ne veulent plus le savoir. Il y a aujourd'hui une espèce de théologie d'un Dieu qui serait mère. Parce que le but, c'est d'éradiquer le fait qu'il est père. Ce n'est pas de dire, oui, alors on commence à dire, oui, il est père et mère, comme si Dieu avait un masculin, un féminin. Non, il est père. Père, ça veut dire père. Ça veut dire celui qui a engendré la création. Dieu n'a pas fait la création avec je ne sais quel esprit féminin. N'est-il pas ton père, ton maître? Voici que t'as crié et t'as établi. Souviens-toi des jours d'antan, méditez sous les années de génération en génération. Interroge ton père avec un petit p et te racontera, tes anciens, ils te diront. Vous voyez? Interroge ton père. Ici, voilà, on va y arriver dans ce message. C'est aux hommes, c'est à Adam, avant qu'Ève ne soit tirée de son côté. Bon. Quand Dieu a créé Adam, il l'a créé homme et femme. Alors, entendons-nous tout de suite, hein, il n'avait pas une poitrine de femme. Il avait la femme en lui. C'est un concept autant spirituel que, voilà, nous ne savons pas. Mais, quand Adam est dans le Gan Eden, avant que la femme ne soit tirée pour lui donner un vis-à-vis qui n'est pas moins que lui, qui est différente de lui pour une complémentarité, alors que le mensonge qui est permanent dans la vision féministe du monde, c'est « nous sommes considérés comme inférieurs ». Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Je vais vous dire et vous démontrer au cours de ce qu'un homme biblique, un véritable homme, ne considérera jamais sa femme comme lui étant inférieure. Jamais. Un homme sous l'emprise de Jézabel, qui a une mentalité Acabe, pourra devenir, parce qu'il y a transmission d'état d'esprit, Jézabel, nous allons voir tantôt, est quelqu'un qui veut dominer, qui veut contrôler, qui ira jusqu'à mentir, qui ira jusqu'à vous tuer, si vous ne vous soumettez pas à elle. Absolument, et nous voyons ça avec l'exemple de Jézabel, Acab, Naboth, etc. Nous voyons ça avec Élie, le prophète, un homme mensch, un véritable homme, qui va refuser, n'est-ce pas, de se soumettre à Jézabel comme prophète de Dieu, et il va zigouiller 450 faux prophètes, et Jézabel va vouloir le tuer. Elle n'y parviendra pas. Mais un homme véritable jamais ne considère sa femme comme inférieure. Retenez ça, s'il vous plaît. Par contre, un homme sous l'emprise de Jézabel pourra considérer sa femme, et je l'ai expérimenté, dans des circonstances où j'ai observé des gens, mais très clair, va considérer sa femme comme un objet sexuel, donc elle lui est inférieure. Elle n'est un objet, elle n'est pas un humain. Mais il y a des femmes qui considèrent aussi les hommes comme des objets et qui ne sont pas des humains. Voilà, on ne va pas aller plus loin dans ce terrain, mais en tout cas, il est clair que Dieu crée l'homme à son image et Dieu a donné à l'homme, avant que la femme n'apparaisse, des principes de gestion du Gan Eden, de la terre, etc. Je vous invite à aller réécouter mon séminaire sur le couple Echad, unité, qui d'ailleurs, le mot Echad et le mot amour ont exactement la même valeur numérique, Ahava et Echad, c'est très, très intéressant de le voir. Donc l'amour parfait crée l'unité, hein. Enfin, c'est une parenthèse. Mais je vous invite à aller relire mon livre Echad, réécouter mon séminaire sur le couple, qui est bien plus qu'un séminaire sur le couple en réalité, et vous verrez qu'effectivement, les principes ont été donnés à l'homme. Alors, mais la femme, elle fait quoi? Oh là là, elle fait beaucoup. Elle est donnée pour un vis-à-vis
de l'homme. Donc, si je m'en tiens à la Bible, ma chérie, tu es devant moi juste pour m'admirer et puis te taire, c'est ça. Non, évidemment, pas du tout. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, la femme? Elle est amenée à faire quoi? C'est très mystérieux, mais c'est superbe. Elle est là, en face de cet homme qui a reçu les principes, si tant est qu'il en est le gardien aussi. Et elle est là, en face, écoutez-moi bien, pour magnifier ces principes, c'est-à-dire les... Comment expliquer cela? Alors, il y a un exemple très simple, parce que Dieu, qui est sage, inscrit les choses dans le naturel aussi. Ma femme et moi avons 4 fils. Comme tout parent, il y a un père, il y a une mère. J'ai transmis un jour une semence à mon épouse, dans laquelle, d'ailleurs, il y avait un principe du choix du sexe. La semence de l'homme donne le choix, garçon ou fille, c'est connu scientifiquement. Il y a donc, cette semence est donc quoi? C'est un principe de vie. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que j'ai fait, moi? Chôme d'avare, rien du tout. Qu'est-ce que je fasse d'autre? Mon épouse a reçu cette simple semence, minuscule. Mais sans cette semence, elle ne peut rien faire. Sans ce principe de vie, elle ne peut rien faire. Et elle a amplifié cette semence. Elle a magnifié chaque fois pour en faire une merveille des merveilles, c'est-à-dire un être composé de milliards d'atomes, organisé, garçon, fille, etc. Vous avez là une petite image de ce que signifie pour une femme magnifier. Alors, qu'est-ce qui est le plus grand? Mais il n'y a pas de plus grand dans les deux. L'ensemble est grand et gadol, mais il n'y a pas de plus grand. Il n'y a pas un homme plus grand et la femme plus grande. Tout ce discours doit être absolument stoppé. C'est une tragédie d'entendre ça. Mais rendons à l'homme ce qui est à l'homme et à la femme ce qui est à la femme. Et que cette complémentarité que le diable hait, mes amis, que le diable déteste. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai écrit un autre livre, j'en parlerai tantôt, qui s'appelle Inséparable. Le couple est inséparable. Le couple tel que Dieu l'a voulu est inséparable. C'est vrai ou c'est pas vrai, ma chérie? On peut pas. C'est pas possible, normalement. C'est juste possible si vous ne voulez pas être biblique. Mais si vous voulez être biblique, vous verrez que même si, évidemment, ça se construit un couple, ça se fait pas en 5 minutes. Certainement pas à partir d'une passion, ça. Parce que la passion, ça dure. C'est comme une voiture, vous pouvez la forcer à 200 à l'heure, mais vous faites ça pendant 10 km et puis c'est tout. Hein. Si vous conduisez comme ça toute votre vie, votre voiture, elle est finie au bout de... d'une année, hein. Fini. Donc, je vais oublier cette idée d'amour. Alors, ça se construit une relation. Ce qui est beau dans un couple, c'est ce qui se construit pendant toute une vie. C'est quelque chose qui honore Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui nous fait juste plaisir à nous, c'est quelque chose qui honore Dieu. C'est Dieu qui nous a établis hommes et femmes. Bien, interroge ton père et il te racontera tes... Oui, alors, j'en finis, ben, je n'ai pas terminé. En fait, je suis déjà en train de donner tout mon message, mais ça ne fait rien. On y reviendra. Vous avez l'habitude avec moi. C'est bien de répéter les choses une fois, deux fois, parfois, pour que ça rentre bien dans les esprits. Eh bien, pourquoi le diable est le couple? Eh bien, tout simplement parce que, alors, je ne vais pas dire qu'il y avait un couple entre Dieu et Lucifer, mais dans le monde spirituel, dès avant la création de l'homme et de la femme, ou en même temps, je n'ai pas fait l'étude, mais bref, vous aviez Dieu qui détient quoi? Tous les principes de tout. S'il y a quelqu'un qui a les principes de tout, c'est lui. Que son nom soit béni de toute éternité. Qui Dieu a-t-il créé comme vis-à-vis? Pour qu'il magnifia ses principes. Donc, une relation en vis-à-vis. Eh bien, exactement comme l'homme et la femme sont vis-à-vis, les hommes et la femme sont dans le même principe, 1 et 2. Alors, on a bien compris que ce n'est pas 1 et puis 2 en dessous, hein. C'est 1 et 2 dans
dans une organisation temporelle. Comment dire ça? Vous voyez? Mais ils sont complémentaires. OK, on a compris qu'un n'est pas supérieur à deux. Hein. D'ailleurs, c'est même un peu l'inverse, en réalité. Parce que dans deux, vous avez déjà deux un. Tandis que dans un, vous n'avez qu'un. Eh oui, oui, c'est vrai. Ils sont fortes, hein, attention. Ils sont fortes, nos sœurs. Hein. Dieu a créé le monde angélique et il a choisi un de ses archanges, un en particulier, pour être plus face à lui que les autres. Oui, oui. Il a choisi un numéro 2 qui s'appelait Lucifer. Et c'est la raison pour laquelle Lucifer était le chef d'orchestre de toute la cohorte angélique des millions d'anges. Pour faire quoi? Il magnifiait, il voyait la gloire des principes de Dieu et il disait « c'est magnifique, et c'est comme cela ». Il magnifiait, ils adoraient, ils magnifiaient, ils voyaient la gloire de Dieu dans ses principes et ils les magnifiaient. Et le but profond de Dieu, quel est-il? C'est une création qui magnifie ses principes, non pas des principes qu'il veut garder pour lui, mais des principes qu'il veut élargir à toute une création. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous comprenez? Alors, bien sûr, le drame de numéro 2, Lucifer, c'est qu'il a voulu prendre la place de Dieu numéro 1. C'est pas possible. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui veulent prendre carrément la place d'un homme. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. C'est une aberration. Pourtant, on essaye quand même. Alors, qu'est-ce que Lucifer a fait? Il est venu dans le jardin d'Éden. Je dévoile déjà tout mon message, mais j'y reviendrai. Et il s'est dit, je suis un être très rusé et très intelligent. Ce n'est pas tellement la discussion que je vais avoir qui va créer du problème. Non, c'est la manière dont la discussion va se faire. Alors, comme vous le savez, en adversaire loyal, comme il voulait faire un coup avec l'homme, il est allé trouver l'homme, il a dit, on va faire un mauvais coup à Dieu, si tu veux, hein, voilà, on travaille ensemble, c'est fini. Non, 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 non. Il est allé trouver la femme. Et il a parlé des principes que Dieu avait établis avec l'homme, avec la femme. Et c'est là la faute. C'est là la grosse. On y viendra tantôt. Parce que là, je suis déjà en train, non pas de m'égarer, mais de m'éloigner. Je reviens donc à mon parachat à Asinou. Interroge ton père et il te racontera. Tes anciens, ils te diront. Quand le Très-Haut a donné leur héritage aux nations, lorsqu'il a séparé les enfants de l'homme, il a fixé les frontières des peuples selon le nombre des enfants d'Israël. On connaît tous ce principe qui est dans Dvarim ici, que Dieu a créé un certain nombre de nations en fonction du nombre des enfants d'Israël. C'est tout un message, je ne vais pas le développer. Car la part de Hachem, la part de Hachem, et non pas de Hachemet, ou de Hachemite, je ne sais pas comment on peut féminiser Hachem, pardonne-moi éternel. La part de Hachem, notre père, c'est son peuple, Jacob, le lot de son héritage. Mes amis, déjà dans cette simple phrase, nous avons quelque chose d'extraordinaire. Quand l'apôtre Paul dit que la femme n'enseigne pas, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Je vais vous le dire ce qu'il dit par là. Ma femme fait de magnifiques études bibliques dans l'intimité de sa chambre, avec son ordinateur, sa Bible, ses dictionnaires grecs, hébreux, etc. Je ne vais pas l'empêcher, c'est formidable. Elle nous livre des choses magnifiques. C'est un fait. Elle a encore un livre qu'elle va sortir sur toute une série de choses de cet ordre-là, et je vous invite à le lire. Pourquoi? Mais parce que ma femme ne commet pas cette erreur de vouloir absolument prendre autorité en transmettant ces choses. Elle est là, la nuance. C'est pas le fait qu'une femme puisse même... Alors, mon épouse, chaque fois, s'empresse d'écrire d'elle-même, hein. Je transmets ceci sous l'autorité des anciens. Je veux bien montrer par là que je ne revendique pas une autorité, ni un ministère, ni rien de tel. J'ai trouvé des choses intéressantes dans la parole de Dieu. C'est intéressant de les partager, mais je n'en fais pas une revendication d'autorité. Mes amis, est-ce que vous comprenez la nuance? Quand une femme veut
non pas parce que Dieu l'y invite, mais parce qu'elle a envie d'avoir une influence. Elle a envie de prêcher. Elle a envie de faire ceci ou de faire cela. Eh bien, n'est-ce pas, elle va contre la parole de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul, on devrait ajouter dans ce que disait Paul, je ne permets pas, d'ailleurs il le dit, je crois, à la femme d'avoir autorité sur l'homme. Parce qu'on renverse les rôles. Pourquoi on se renverse les rôles? Eh bien, parce que l'autorité, c'est une responsabilité. Si vous avez été créé après quelqu'un, comment pouvez-vous avoir autorité sur lui? Ce n'est pas possible. Dans une fratrie, c'est la même chose. On voit ça très bien avec le premier enfant et le second. Il y a souvent un problème. Pourquoi? Parce qu'au fond, le deuxième est un peu frustré de ne pas avoir l'autorité que l'autre a reçue parce qu'il est venu avant. Il a une autorité. Et très souvent, l'aîné dans une fratrie abuse de cette autorité, alors qu'il devrait aimer le second, qui n'attend que ça pour magnifier l'autorité de l'aîné. Vous savez, ça, moi, je l'ai vécu dans ma propre famille. Je suis un cadet, et j'étais en admiration devant un frère aîné, qui, lui, n'a jamais compris que, simplement en m'aimant, il aurait fait de moi un collaborateur extraordinaire de toutes ses richesses, de toute sa force, de toute sa capacité. Je l'ai vécu, mais c'est un autre sujet. Mais tout ça nous éclaire sur certaines choses. Donc, je bénis le Seigneur. En tout cas, pour ma part, j'ai eu le bonheur d'épouser une femme qui n'a jamais, jamais, jamais manifesté un esprit de Jézabel, n'a jamais cherché à prendre autorité, ni sur moi, ni sur aucun homme, a refusé l'excitation provoquée par certaines femmes qui voulait l'inviter à se rebeller contre son mari pour prêcher à son tour. C'était vraiment ça. On continue la lecture. Car la part de Hachem, c'est son peuple. Jacob, le lot de son héritage. On dirait la part de chaque homme, c'est les principes que Dieu lui a confiés qu'il doit absolument, n'est-ce pas, dont il doit être le gardien. Voilà. On pourrait lire encore, 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 mais on en a dit assez, je pense. On va juste peut-être lire le verset 12. « Hachem seul le guide et nul autre pouvoir n'est avec lui. Il le fait chevaucher sur les hauteurs du pays et le nourrit des fruits mûrs de méchants. Il l'allait avec le miel. » Il parle ici donc de la bonté d'Hachem à l'égard de son peuple. Bien, donc, retenons simplement ceci. Parashat Hazinu, démarre avec... dans Dvarim, avec le cantique de Moïse, qui était un cantique à la gloire du Dieu Père, finalement. Ceci est très important. Ok ? Bien. Jézabel travaille toujours, je l'ai dit, avec de faux prophètes, des esclaves. Elle met en esclavage des hommes qu'il accepte. Vous avez le choix en face de Jézabel quand vous la rencontrez. Évidemment, quand je fais un examen de mon parcours de serviteur, j'ai même déjà à 35 ans presque, ma chérie, c'est ça? J'ai été confronté régulièrement à Jézabel. Et toute la guerre qui m'a été faite, y compris de mensonges, parce que Jézabel a une arme ultime, et Acab aussi d'ailleurs, qui est absolument horrible. Lorsqu'elle n'arrive pas à ses fins, qu'elle n'obtient pas ce qu'elle veut, parce que dans un premier temps, Jézabel vous approche toujours, alors ça, retenez-le bien, doucereuse, flatteuse. Elle va vous faire croire que vous êtes l'homme le plus extraordinaire de la terre. Elle va être gentille avec vous. Mais son but, c'est de vous amener dans son fan club et de faire de vous des esclaves, finalement. Alors, évidemment, elle ne va pas venir à vous en disant « Je veux faire de toi mon esclave », parce que ça, ça ne marche pas. Donc, on y vient par une profonde hypocrisie, extrêmement forte. On flatte. J'ai rencontré ça, chaque fois que j'ai rencontré des femmes avec un état d'esprit de Jézabel, j'ai rencontré cette flatterie. Je dirais même que
Quelquefois, j'ai rencontré cette flatterie à un tel point que j'ai senti en moi une irritation extrêmement violente me pousser à dire à certaines personnes « Éloignez-vous de moi avec vos sucreries, je ne supporte pas. » Ces personnes n'étaient peut-être pas nécessairement une Isabelle, mais « Mes sœurs, nous n'avons pas besoin de vos sucreries. » Non, non. Nous avons besoin de votre paisible témoignage de femme biblique. Relisez l'Écriture qui parle de la femme vertueuse. Nous avons besoin, non pas de femmes sexy, ni de femmes qui nous enveloppent de toutes sortes de choses. Nous n'avons pas besoin de ça. Ce sont des pauvres types qui ont besoin de ça. Ce ne sont pas des hommes véritables. Nous avons besoin de femmes vertueuses. Récemment, déjà un bout de temps, j'ai été invité à bénir un mariage chez nous, dans notre... Et l'homme qui a épousé cette femme a attendu des années avant que cette femme ne lui soit présentée par Dieu. Il a eu ce courage. Et il a attendu longtemps. Un jeune homme. Et Dieu lui a apporté une jeune femme d'une grande sensibilité, d'une grande... Mais alors, il y a une chose que j'admire chez cette jeune épousée, c'est qu'elle est vertueuse. Elle ne laisse à aucun moment, alors qu'elle est très sensible, et extrêmement sensible, ses états d'âme prendre le dessus pour en faire un discours. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette espèce de calme, sainte douceur qui accompagne tout son comportement et qui la rend belle. Non pas de quoi que ce soit à l'extérieur. Vous savez... J'ai vérifié que Jézabel aime se maquiller outrancièrement. Pourquoi le fait-elle? Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Pour séduire, tout simplement. Il est connu, je vais vous choquer, mais c'est comme ça. La raison pour laquelle, n'est-ce pas, la raison profonde, peut-être les femmes ne le savent pas, n'est-ce pas, on met du rouge sur la bouche, c'est pour vous envoyer un signal brûlant, mes amis. Oui, absolument, c'est le but. Vois ma bouche qui brûle. Garde-la pour toi. Jézabel ne peut pas vivre sans travailler avec des esclaves. Des hommes qu'elle met à sa botte. Et vous serez confrontés, si vous êtes des hommes, à Jézabel. Et dès que vous lui résistez, elle vous tue. Elle essaie de vous tuer. Ce que j'ai vécu il y a 30 ans presque, ou je ne sais plus, avec ces deux femmes, parce qu'il y en a deux derrière tout ça, qui ont voulu, c'est pas un coup de mensonge, mais complet, me descendre devant une commission anti-secte en Belgique, eh bien, l'une avait déclaré, lorsque je lui ai tenu tête face à ces dérives, pour ne pas dire autre chose, elle avait déclaré à la cantonade, je le tuerai, je le descendrai. Moi. Donc, quand vous résistez à Jézabel, vous devez savoir, et je pense à certains frères que je connais qui sont entourés de Jézabel et qui n'osent pas le lui dire. Vous n'osez pas. Vous savez qui elle est, vous en avez autour de vous, mais vous en avez peur. Eh bien, c'est une erreur. Parce que Élie a été confronté à Jézabel. Il a même dû fuir devant Jézabel, parce que ce qui est derrière Jézabel, c'est Satan en personne, mes amis. Et ce n'est pas Élie qui a tué Jézabel. Ce n'est pas le rôle de celui qui confronte Jézabel de la tuer. Attention, je ne parle pas ici de tuer les Jézabel physiquement, hein, ce n'est pas moi. Ce n'est pas de ça que je parle. J'espère qu'elles peuvent se repentir avant qu'il soit trop tard, certaines. Mais c'est Jéhu, un roi, qui avec ses serviteurs, va la passer par la fenêtre. Et vous savez, je me suis rendu compte qu'en riant quelquefois, mais en riant, il m'est arrivé de dire à des femmes, mais dites, avec un caractère comme le vôtre, moi je vous passerai par la fenêtre. Hein. Mais j'ai toujours dit en riant, c'est pas, j'espère, si ça vous choque, eh bien tant pis, je n'ai jamais passé une femme par la fenêtre. D'ailleurs ici, il y a des barreaux, donc ce serait difficile. Mais est-ce qu'il y avait comme une espèce de réminiscence de ce que
J'ai eu affaire finalement avec Jézabel, je crois que oui. Et je crois que la destinée finale d'une Jézabel sera d'être détruite, sauf si elle se repent à temps. La déconfiture sera grande et profonde. Alors, je reviens sur ce que j'ai dit tantôt, je n'ai absolument pas l'intention ici d'attaquer une femme, des femmes ou les femmes. Non. Non. En toute honnêteté, non. Je n'ai pas l'intention d'attaquer un Akab, j'en ai connu alors de très beaux, enfin de très horribles, des lâches complets. Des gens capables de mentir. Et mes amis, je le dis tout de suite, il y a toujours de la sexualité dévoyée derrière toutes ces choses. Toujours. Je parlais tantôt d'un homme qui avait l'onction d'Élie, s'appelle Yohanan Amadbil, Jean-Baptiste. Il y a une partie, on danse, Hérode, Hérodias et la fille, de Jézabel. C'est pas la femme d'Hérode, c'est la femme de Philippe, hein, mais on couche comme ça parce que bon, tu me plais, voilà, je te prends, terminé. On est en plein péché, en plein adultère. Et la fille, il ne vaut pas mieux que la mère, va danser à moitié nue devant Hérode, avec les lèvres bien rouges. Et puis Hérode va dire, est-ce qu'un roi peut dire à une gamine qui danse à moitié nue devant lui, demande-moi ce que tu veux, ça veut dire j'ai envie de coucher avec toi, tout simplement. Je te donnerai la moitié de mon royaume. Ça me fait penser à certain Jacob. Il dit, donne-moi cette soupe et je te donne mon droit d'aînesse. Est-ce que c'est ta affaire? Ésaü, pardon. Oh là là, pardon. Est-ce que c'est ta affaire? Non, bien sûr. Mais pour un peu de plaisir, n'est-ce pas? Pour un peu de sexe avec une gamine, qu'est-ce qu'on ne ferait pas? Oui, oui, messieurs, certains Akab et certaines Jézabel. Plus vous êtes Jézabel, plus il y a du trouble dans votre sexualité, il y a du péché, mes soeurs. Moi, je vous le dis en face. Et je l'ai vérifié. Et ça se vérifie. Plus il y a aussi un intérêt parfois malsain pour le monde des démons. Oui, absolument. Un des domaines sensibles qui révèle qui vous êtes, c'est justement le domaine des démons. Jésus n'a jamais été quelqu'un qui s'occupait de voir s'il y avait des démons, non. Quand ils étaient là, ils les chassaient en disant « taisez-vous ». Il y a un mouvement de délivrance depuis pas mal d'années maintenant, qui est malsain parce qu'il est le fait de personnes qui ont voulu aller zioter, comme on dit en Belgique, ces choses. Un intérêt, un goût. Et mes amis, rappelez-vous, ceux qui viennent, n'est-ce pas, en relation d'aide chez nous, les fameux deux piliers qui s'enchaînent l'un l'autre. Le péché sexuel et les choses occultes, ça va toujours de pair. L'un appelle l'autre et l'autre appelle l'un. Donc, si vous avez un goût malsain pour les choses démoniaques, c'est que dans votre vie sexuelle, il y a des choses non réglées, au minimum, peut-être même du péché que vous cachez. Voilà, je continue parce qu'on n'en a pas fini, hein, on a pour un bout de temps aujourd'hui. Bien, curieusement, je vais partir d'une actualité que j'ai regardée il y a 2 semaines sur YouTube. J'ai voulu voir... n'est-ce pas, l'histoire d'un homme qu'on appelle Léon de Grelle. Alors, les Belges savent très bien de qui je parle. Les Français, vous n'avez peut-être pas. Le pendant de Léon de Grelle, je pourrais dire, c'est peut-être un des affidés de la... comment dirais-je, de l'époque de Pétain. Je n'ai pas les noms en tête. Il y avait Laval et tous ces gens. Voilà. Alors, Léon de Grelle, c'était un beau gosse qui a entraîné en séduisant derrière lui une masse de jeunes gens idéalistes et les a égarés complètement. Ok? Les raisons idéologiques de ce mouvement, donc de Grelle, c'est
c'est ce fasciste, grand catholique au départ. L'Église catholique, à un moment donné, a pris des distances avec lui, n'est-ce pas? Parce que c'est bien rendu compte que les choses allaient trop loin. Mais De Grelle, c'est dans l'histoire de la Belgique un faux prophète qui a entraîné derrière lui plein de gens et les a entraînés dans la catastrophe. Je vais vous expliquer comment. Alors, comment est-il un faux prophète? Il est un faux prophète d'abord parce qu'il appartient à une mouvance religieuse qui met la reine du ciel au-dessus de tout. Si vous voulez connaître le premier drame de la Belgique, si vous voulez vraiment commencer à creuser et comprendre le premier drame de la Belgique, tous les drames qui ensuite en découlent, vous devez connaître l'histoire de ce pays qui a été un pays qui appartenait à ce qu'on appelle les Pays-Bas à l'époque de la Réforme. Et les Pays-Bas, y compris la Belgique, étaient passés largement à la Réforme. Rome, à travers l'Espagne conquérante qui occupait les Pays-Bas à l'époque, a voulu massacrer tout ce qu'elle a pu de calvinistes en Belgique, n'est pas arrivé à le faire au nord. Le nord a tenu bon, c'est la Hollande actuelle. Et quand Rome a terminé son massacre de 200 000, je pense, 400 000 calvinistes en Belgique, il n'en est pas resté un seul. Elle a reconsacré cette partie du pays qu'elle a repris en tuant tous les protestants. Elle a reconsacré ça à qui, croyez-vous? À Marie. Le culte mariolâtre en Belgique est omniprésent à un point que vous ne pouvez pas imaginer dans les fondements spirituels de cette nation. Alors Léon De Grelle, bel homme, oui, c'est un bel homme, jeune, vigoureux, intelligent, etc., était un des faux prophètes. Je vous donne cet exemple-là parce que c'est pas dans l'Église, mais vous allez voir que dans l'Église, nous avons la même chose. Ce qui est vrai chez les catholiques, l'est vrai aussi aujourd'hui chez bon nombre d'évangéliques et de protestants. L'allégeance à la reine du ciel. Ok ? Alors je ne vais pas m'attarder, parce que ce n'est pas mon sujet, sur les raisons idéologiques qu'a utilisé De Grelle pour emmener derrière lui toute une jeunesse idéaliste. Puisque le prétexte était, ce n'est pas qu'un prétexte, mais c'est quand même un prétexte. C'était d'aller combattre le bolchevisme soviétique, qui effectivement représentait un danger énorme pour l'Europe à l'époque. Bon, c'est un fait. Mais tout ça, c'était un prétexte, en réalité. Derrière cela, il y avait chez De Grelle une ambition extraordinaire. L'ambition de Grelle, c'était d'abolir la Belgique et de retourner à ce qu'était la Belgique et probablement la Hollande et une partie même de la Franche-Comté, tout ça, enfin, je ne sais pas, ce qu'on appelait les 17 provinces à l'époque espagnole de Philippe II. Voilà. Alors évidemment, il rêvait de reconstituer cette espèce d'empire, je crois même qu'on disait bourguignon, même à une époque. Enfin, bref, je ne vais pas rentrer trop dans les détails de l'histoire, parce qu'il espérait que les Allemands le nommeraient grand super Mouchimoucha de ce nouveau pays. Hein. Donc en fait, il rêvait de devenir un roi artificiel, et pour ça, eh bien, il fallait faire plaisir aux Allemands. Alors voyez-vous la duplicité. Mes amis, il faut aller combattre le danger bolchevique. Beaucoup d'Européens, Belges, Français et autres étaient d'accord avec ça, mais n'étaient pas pour autant d'accord avec ceux qu'on n'appelait pas encore vraiment des nazis. Il ne faut pas oublier qu'on a découvert ce qu'était l'univers nazi après la guerre, quand on a découvert la Shoah, quand on a réfléchi, quand on a pris du recul. Mais au début, pour nombre d'Européens de l'Ouest, Hitler était un sauveur. Il s'opposait à Staline, il s'opposait au danger rouge communiste. Pas du tout mon avis, hein, mais... Donc il a entraîné toute une jeunesse, sous prétexte d'aller protéger l'Europe de l'invasion communiste qui menaçait. Pas oublier que beaucoup d'intellectuels en Europe aussi, n'est-ce pas, étaient pro-communistes. Après, ils ont réalisé la grosse bêtise, longtemps après. En tout cas, il y avait un combat, un conflit.
Et le but, le moyen était donc de combattre avec les Allemands contre les Russes, pour soi-disant protéger l'Europe de l'invasion communiste, mais le but ultime était que de Gresle obtienne, n'est-ce pas, un pouvoir, etc. Bon, tout ça a foiré, c'est très très bien ainsi. Alors, retenez ceci, c'est que cet homme, lorsque vous écoutez ses discours, que vous le suivez, n'est-ce pas, il est extrêmement séduisant. Et sa séduction vient de ce qu'il est, il provient d'un univers où la reine du ciel, n'est-ce pas, domine et contrôle. Vous savez, je suis toujours frappé de voir à quel point Marie, la Marie catholique, moi, elle ne me séduit pas. Il y a longtemps que j'ai compris la tromperie qu'il y a derrière ça. Mais regardez comment elle se présente dans ses apparitions, dans ses représentations. Vous ne la voyez pas comme l'épouse de Satan. Pourtant, c'est ce qu'elle est. C'est une fabrication. Je ne parle pas de la Myriam de la Bible. Je parle de l'autre. On la représente toujours bleue, rose, avec un beau visage, gentille, aimante, n'est-ce pas ? Séduisante. La plus abominable des séductions, c'est la gentillesse jouée, qui n'est pas vraie. Mais ça marche. Avec beaucoup d'hommes, je parle ici des païens, peut-être des chrétiens, si une femme est un peu gentille, c'est fini, vous l'avez embarqué. C'est fini, il est embarqué. Je ne sais pas vous, mais moi en tout cas, quand une femme est trop gentille avec moi, je suis toujours sur mes gardes. J'ai toujours été, même avant d'être chrétien, je dis non, je me méfie. C'est ce que j'ai aimé chez mon épouse, elle n'a pas été gentille avec moi. Je m'égare. Voilà, donc, ceci me fait penser, et ça je devais le dire aussi, frères et sœurs, nous ne devons pas suivre un homme, aussi séduisant soit-il. Aussi, beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'ont pas une relation personnelle avec Dieu qui leur permette de travailler en collaboration avec d'autres chrétiens et d'autres personnes qui sont des serviteurs de Dieu. Mais ils cherchent désespérément une personne à suivre. Et vous savez à quel point j'ai toujours combattu ça, hein, je vous ai toujours répété, c'est pas moi que vous devez suivre, c'est avec le Seigneur qu'il vous faut une relation personnelle, parce qu'il n'existe pas un homme au monde qui ne vous fera pas, qui ne vous emmènera pas dans des erreurs si vous le suivez aveuglément. Ok ? Je ne vais pas m'étaler trop, mais ceci est important. Ceci est typique aussi de certains Akab qui suivent, n'est-ce pas, une personne. Dans ce cas-ci, c'est une femme qui les a séduits. Ils ont cédé devant elle. Amen. Voilà, donc, si vous lisez dans Éphésiens 4, on l'a déjà lu tant de fois, eh bien, vous verrez que Dieu a donné des évangélistes, des prophètes, des apôtres, des docteurs et des pasteurs, non pas pour que vous les suiviez aveuglément, mais pour qu'il vous mène, vous, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Mais vous-même, pour être sûr d'arriver à la stature parfaite de Christ, vous devez d'abord avoir, vous, votre relation avec Dieu, une relation extrêmement personnelle. Parce que si vous suivez ces hommes, mais que vous n'avez pas de relation personnelle avec Dieu, vous risquez d'être abusé un jour ou l'autre. Et c'est très intéressant de voir que ceux qui ne veulent pas avoir une véritable relation avec Dieu, mais veulent suivre dans la facilité un homme, tantôt l'un, tantôt l'autre d'ailleurs. On change à peu près toutes les saisons hein. Vous savez, moi je reçois régulièrement des mails de personnes qui m'écrivent « Ah, il faut absolument que tu écoutes telle... » Ma première réaction est de dire « Non, j'écouterai même pas. » Il y a tous les mois se lève un « waouh », un nouveau génie qu'il faut absolument suivre. Non, il ne faut suivre personne. Il faut pouvoir avoir une relation avec Dieu et ensuite être confronté à des ministères qui vont aussi vous dire ce qu'ils doivent vous dire quand ils doivent vous le dire. C'est ça
qui peut se passer, qui doit se passer. Mais pas suivre, poursuivre, pas idolâtrer. Vous m'avez compris. Attention, beaucoup suivent des hommes, des structures passagères, des événements. Est-ce que je dois vous donner des exemples? Hein? Vous savez, vous avez fait ça, certains. Vous étiez toujours à l'affût du dernier truc. Oh! Même moi, certains, vous êtes venus m'écouter prêcher en Suisse il y a des années. Et puis vous couriez, oh, il faut venir l'écouter. Non, mes amis, ce n'est pas moi qu'il faut venir écouter. Ce n'est pas normal. Mais d'abord, avoir une relation, vous, avec Dieu. Et généralement, plus les gens courent après quelqu'un pour l'écouter, moins ils ont une relation personnelle avec Dieu. Ceci est très mauvais. Amen. Rappel, quand même, vous avez été réconcilié avec le Père par qui? Par Chaim Goel? Par tel ministère? Non, par qui? Par Yeshua. Attention, beaucoup aussi suivent aujourd'hui des femmes Jézabel. Et ils ne se rendent pas compte qu'ils sont dans les mains de tueuses qui vont les emmener au gouffre. Je vous invite à vous dégager de vos idolâtries, de vos filiations malsaines, à tel ministère, à telle Jézabel, à ceci, à tel site, y compris le nôtre. Si vous n'avez pas de relation personnelle avec Dieu, ce que vous venez chercher sur notre site ne vous servira à rien. À rien du tout. Si vous n'avez pas une relation personnelle avec Dieu, tout ce que vous allez écouter sur tel et tel site, ou en plus, je vous ai fait un chiour sur le virtuel. Nous avons maintenant des gens qui sont capables, derrière un écran, de vous jouer une comédie phénoménale, et puis vous ne savez pas qui ils sont en réalité. C'est même pire que ce qui se passait il y a encore 15 ans, 20 ans, où on allait écouter dans une salle quelqu'un. Maintenant, on ne va même plus écouter dans une salle. On va sur Internet, on se dit « Ah, c'est super, j'écoute, je suis... Oh. » Et tu gobes et tu avales de la boue, et tu ne sais même pas. C'est en fait notre superficialité, toute charnelle, qui nous faisant suivre des hommes d'artifice, va nous rendre insupportable la fréquentation ensuite de vrais serviteurs exigeants pour eux-mêmes d'abord, et puis, c'est-à-dire vivant dans la crainte de Dieu, et qui seront exigeants pour vous, qui peuvent être des vrais canaux, de vrais outils de Dieu pour votre développement. Ainsi, nous avons aujourd'hui un nombre incalculable de chrétiens superficiels qui n'ont pas de relation avec Dieu, qui ne la recherchent pas. Ça coûte de prier et de prendre du temps pour avoir une relation personnelle avec Dieu. Dans le domaine de l'Église, nous devons savoir que le scénario de grêle, ce grand séducteur, peut se répéter et se répète aujourd'hui jusque dans l'Église. N'oublions pas que de grêle était au départ un grand catholique, comme 99,9% des Belges l'étaient. Aujourd'hui, je ne sais pas combien le sont encore, effectivement, mais dans les apparences, mais hélas, les marques de cette religion, n'est-ce pas, de la Reine du Ciel, parce que le catholicisme, c'est la religion de la Reine du Ciel. Allez voir, vous verrez. J'ai connu, moi, des prêtres qui avaient chez eux une statue de Marie et, n'est-ce pas, une déclaration comme quoi ils faisaient partie de la Légion de Marie. Je suis prêtre de la Légion de Marie. Jésus, dans tout ça... Ils déclaraient tout simplement qu'ils étaient des acabes, n'est-ce pas, en train de suivre la super Jézabel, l'esprit de Jézabel. Et tout leur discours et tout leur comportement étaient infectés par cette faux amour, toutes les doctrines qui vont avec. Faites des bonnes œuvres, un petit peu de bonnes œuvres, être gentil, ça ira comme ça. Non, mes amis, ce sont les œuvres préparées à l'avance par un père, au travers du sacrifice d'un fils et par la puissance du roi à côté du Saint-Esprit. C'est ces œuvres-là que nous sommes amenés à vivre. Et ce n'est pas toujours douceâtre ni facile. Loin de là. Amen. Pourquoi je dis cela? Car en fait, le vrai principe qui largement dans cette Église, je parle de l'Église catholique, en Belgique, en France aussi,
et en Italie aussi, et en Espagne aussi, et partout. Dirige en coulisses, le principe qui dirige tout ça en coulisses, dirige tant de choses, et ce principe est celui de la reine du ciel, qui derrière des apparences de bonté suave, cache un principe démoniaque des plus néfastes. Amen. Je vous rappelle, Jézabel, quand vous la rencontrez, c'est un des signaux auxquels vous devez faire très attention. Elle est hyper gentille avec vous. Trop gentille. Elle va vous dire du bien à vous. Vous savez, les femmes qui m'ont essayé de me tuer en Belgique il y a 25 ans, me portaient au nu. Oui, me portaient au nu. Elles soutenaient même. Jusqu'au jour où j'ai résisté à l'une des deux, au domaine de sa vie morale, alors là, c'était fini, il fallait me tuer. En fait, elle me fréquentait, au fond, elle me fréquentait pour m'amener dans son univers de corruption qu'elle cachait bien. Et elle aurait espéré que je l'y rejoigne, peut-être. Oui, parce que je portais bien à l'époque. Oui, ça va jusque-là, vous savez. Il se passe de ces choses dans la tête des gens, oh là là! De Grelle était un faux prophète sous la coupe de la reine du ciel. Amen, je l'ai dit. Alors, ceci me permet d'introduire le message aujourd'hui sur le phénomène croissant jusque dans de larges parts des milieux protestants, évangéliques, charismatiques et autres, n'est-ce pas, de l'infection de l'esprit de Jézabel qui est en traiteur. Donc, Jézabel est directement lié à Satan, hein. On voit ça avec Acab d'ailleurs, on voit ça en Genèse, j'y viendrai plus tard. Si nous allons dans la Bible, nous voyons que le personnage de Jézabel apparaît à deux endroits. Il apparaît essentiellement dans le Tanakh, n'est-ce pas, dans le livre des rois, dans 1 roi et dans 2 rois, au chapitre 16, 18, pardon, 1 roi, que je ne dise pas de bêtises, voilà que j'ai oublié les chapitres, pardonnez-moi, en tout cas, il apparaît dans 1 roi, vous ferez de la recherche, 16, 18, 19, 21, si je ne dis pas de bêtises, et 2 rois 9. Voilà, nous avons là l'histoire de Jézabel. Je raconte courtement l'histoire de Jézabel. Jézabel était une non-juive épousée par Acab, qui était un roi d'Israël. Et Jézabel, bon, d'abord elle a une cour de faux prophètes avec elle, ils sont 450. Et ce sont les prophètes de Baal. Baal, ça veut dire quoi? C'est Satan, hein, faut le savoir. C'est Satan. Voilà. Donc, elle travaille avec 450 prophètes de Satan, des faux prophètes, chargés d'induire en erreur le peuple de Dieu. Elle a un époux extrêmement égoïste, infantile, cruel, replié sur lui-même, lâche, démissionnaire, criminel. Et ce monsieur, qui s'appelle Acab, voit qu'il a un voisin qui a une jolie vigne, qui s'appelle Naboth, et il désire la vigne de Naboth comme un sale gosse. Il veut ce qui ne lui appartient pas, et donc il le lui faut. Et il tape des pieds, il s'énerve, je voudrais bien la vigne, faire un beau potager dedans, etc., etc., etc. Ça me dérange que je n'ai pas ce petit terrain-là. Et puis l'autre après aussi, peut-être, je ne sais pas, mais tu comprends, j'aimerais tellement, c'est comme ces gosses qu'on voit dans les magasins avec leurs parents maintenant, ils sont assis dans le caddie, et puis, je veux ça. Et il n'y a personne pour leur dire, non mais tu arrêtes ou quoi? Vous avez des peurs qui... Moi j'ai vu récemment à l'aéroport, mais c'est effrayant, vous savez. Un couple avec un monsieur devant, madame derrière, portant un enfant hurlant qui tombait au sol et elle a passé son temps pendant 10 minutes et monsieur ne tournait même pas son visage vers sa femme et le gosse pour intervenir d'une lâcheté et d'un égoïsme épouvantable. Nous en avons les 4 et je vous assure que je prenais les choses en main quand il le fallait. Ma femme est là pour le dire et c'est tout à fait normal. Acab, c'est ce sale enfant égoïste qui veut absolument obtenir quelque chose qui ne lui appartient pas. Et Jézabel va venir, elle va lui dire, bon, allez, moi je vais m'en occuper. Et on voit que les gens qui vont aller tuer
Naboth savent très bien que ce qu'ils font est mal, mais ils n'osent pas résister à Jézabel. Ils n'osent pas. Et donc, ils vont assassiner Naboth sous couvert d'un ordre du roi, mais en réalité, Jézabel derrière qui organise la chose. Et nous avons là tous les ingrédients, n'est-ce pas, d'une relation Jézabel-Acab et de tout ce que cela signifie. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails de ça maintenant. Si nous en restons là, il nous manque aussi maintenant, et c'est pour ça que je ne développe pas les choses à partir de... Alors, évidemment, on parle aussi, n'est-ce pas, de Jézabel dans l'Apocalypse, pardon, n'est-ce pas, lorsque écrit à l'ange, il dit de Thyatire ce que j'ai contre toi. Nous pouvons peut-être le lire maintenant, si vous voulez bien. Nous allons prendre notre Brit Hadashah, notre Nouveau Testament, et lire dans le livre d'Apocalypse, ça doit être au chapitre, au chapitre 2, verset 18 et suite. Attendez voir, voilà. Ce que j'ai contre toi, c'est que, l'Esprit de Dieu parle à l'Église, il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs. Donc ici enseigner, c'est enseigner, mais c'est prendre pouvoir, autorité sur mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche. Alors quand je vous disais que la débauche, ici il est question de débauche dans tous les sens du terme, y compris la débauche sexuelle. Il y a toujours avec Jézabel de la débauche sexuelle, qu'elle soit cachée ou non. Mais elle est là, vous pouvez en être certain. Certain. Creusez un peu, vous trouverez. Vous savez, j'ai croisé jadis un homme qui est un pur Acab et qui est un affidé, qui est un esclave de Jézabel. Cet homme se dit prophète. Et puis un jour, j'ai compris, en l'écoutant, que dans son passé, il y avait un passé homosexuel qui n'avait pas été vraiment confessé, avoué, réglé. C'est caché. Je ne dis pas qu'il l'était toujours, mais il l'avait été et il le cachait. Vous savez, le péché ne peut pas être caché. Quand il y a péché, ça doit être confessé, ça doit être avoué. Dans le domaine de votre intimité sexuelle, peut arriver, ça ne va pas arriver, mais si ça arrive, que messieurs, vous attardiez 3 secondes de trop, ou même 1 seconde de trop sur une image, et puis ça commence à galoper dans votre cerveau. Comment allez-vous regarder votre femme en face après? Ou vous le cachez, ou vous lui avouez, même pour une image d'une seconde. On ne cache pas le péché. Et il y a toujours dans la composante Jézabel Acab du péché carrément vécu, péché sexuel ou du péché caché. Nous l'avons vécu avec un couple que nous avons bien connu, tu te rappelles? Ce fameux couple qui m'avait demandé d'intervenir dans son église, qui étaient des gens, mais dans un désordre sexuel absolu. Tout était caché. Nous l'avons constaté. Tu t'en rappelles, ma chérie? Je lui donnais, verset 21, du temps afin qu'elle se repente. Donc, je reviens là-dessus ce matin. Mes amis, donnons du temps, enfin, Dieu donne du temps à Jézabel, aujourd'hui, en ce temps, pour qu'elle se repente. Mais le temps est compté. Et elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Je pense qu'un des verrous chez Jézabel, c'est le péché sexuel. Je vous donnerai la démonstration dans quelques instants. Lorsque je vais vous lire quelques extraits d'un livre dont je ne citerai pas le titre ni l'auteur, parce que je l'ai décidé, je ne vais pas faire d'attaque personnelle. Ce n'est pas le but. Mais la personne qui a rédigé ce livre sous prétexte d'être chrétienne est probablement une personne extrêmement impure sur le plan sexuel. Pour dire des choses telles qu'elle est dite, d'ailleurs je vais vous les lire. C'est une femme qui a écrit un livre de femme, sur la femme vue selon Dieu.
Voilà ce qu'elle écrit, page, je ne sais plus combien, de son livre. Alors écoutez bien ce qu'elle écrit. C'est une prophétesse, c'est une femme qui... Je ne donne pas de détails parce que je n'ai pas envie. Il y aura fatalement quelqu'un qui va la reconnaître, qui va aller lui dire méchamment « Ah, oh, elle a dit ça !» Mais vous êtes témoin, et Dieu m'est témoin, je ne cite pas son nom. Ce n'est pas mon but. Mais elle écrit, en parlant de la femme, elle dit que Dieu dit « Je t'ai créée parfaite. À mon image. » Je crois que Dieu avait créé l'homme à son image, non ? L'homme avec la femme, là, quelque part. Mais non, c'est la femme qui était créée parfaite à l'image de Dieu, à ma ressemblance, s'il vous plaît. Donc Dieu est à une ressemblance féminine. Voilà ce que cette femme déclare. Une femme qui est dans les milieux évangéliques aujourd'hui, qui prêche, tout ce que vous voulez. C'est pas tout. Troublante. Je t'ai créé troublante. C'est-à-dire sexy. Troublante, c'est sexy. Sexy. T'as vu mes hanches? T'as vu? C'est ça, troublante. J'ai dit tantôt, nous n'avons pas besoin de ce genre de femmes-là. On veut des femmes vertueuses. Et tout le reste, ça se passe dans l'intimité, avec beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse. Car plus que l'homme, tu es celle en qui ma beauté se donne à voir. C'est écrit, hein? C'est écrit là. Je relis, je t'ai créé parfaite, à mon image, à ma ressemblance, anti-biblique, absolument, troublante, car plus que l'homme, tu es celle en qui ma beauté doit l'avoir. Cette femme est une adoratrice de la reine du ciel, introduite dans nos milieux pour les détruire. Plus loin, tu es ma parure, ma gloire, ma fierté, la femme. Le chef-d'œuvre parfait qui a parachevé ma création. Celle que j'ai soigneusement cachée en mon sein, donc le sein de Dieu, depuis toujours, et que j'ai présentée à Adam tel un joyau. Tu étais assurément ce que je lui ai donné de plus précieux. Ça reste à prouver. Je le dis avec humour. Je t'ai fait gardienne de la pureté, de la sainteté. Dites, c'est par qui que la chute est venue dans... Et j'ai dit à la sagesse, demeure en elle. J'ai ouvert ton ventre à la vie, afin que par toi les êtres viennent au monde. En ceci, tu es encore plus remarquable. Tout comme je suis la source de toute vie, je t'ai rendu semblable à moi. J'ai fait de toi l'extension de ma matrice. La matrice de Dieu. Oui, je t'ai confié le sort de l'humanité. Je peux vous en lire des tonnes comme ça. La félonie de Lucifer, dit-elle, écrit-elle, paraît bien innocente en comparaison des péchés des hommes. Écrit. Enfin bref, il y en a des kilomètres. Voilà à quoi on en arrive. Alors moi, je n'ai vu aucun article dans aucun journal chrétien. Je n'ai entendu aucune prédication interpellant cette personne, dont le livre est préfacé par une autre femme connue qui écrit au départ de ce livre, elle donne le prénom de la personne et elle dit « Elle entend battre le cœur du Père ». Et il émane de cet écrit un souffle prophétique puissant. C'est une pure merveille et c'est de la dynamite, etc. D'abord pour les femmes dont beaucoup comprendront quelle est leur véritable identité en Christ, une identité que Satan veut leur cacher, etc. etc. Je me demande si la femme qui a écrit cette préface a vraiment lu ce livre. Ce n'est pas possible. Alors, on rêve. On continue. Alors, je l'ai dit, voilà. Quand on a
commencer à décortiquer le phénomène à Cap Jézabel, on n'en a pas assez. Il faut aller plus loin pour comprendre la source de tout cela, l'origine de tout cela. Voilà, retenez que toutes les persécutions les plus cruelles, n'est-ce pas, attendez voir que je ne dis pas de bêtises, j'ai bien fini mon... Oui, j'ai bien fini. Donc on va y venir. Retenez néanmoins, bon, en passant, que toutes les persécutions les plus cruelles dans l'histoire de l'Église, d'Israël et de toute l'humanité, vous avez toujours Jézabel en coulisses ou en direct. Toujours. Tous les prophètes d'Israël qui ont été massacrés, assassinés, jetés dans les puits, sciés, etc. Si vous creusez un petit peu l'histoire des gens qui ont décidé de les soumettre à ce genre de souffrance, vous allez trouver toujours derrière le péché sexuel et l'inféodation à l'esprit de Jézabel. Toujours. Ce sont des hommes minables qui déclenchent cela. Je vais jusqu'à dire que ceux qui ont décidé qu'il fallait tuer Jésus, eh bien, je suis persuadé que dans les coulisses de leur vie, il y avait du péché sexuel, il y avait une inféodation à la reine du ciel, d'une façon ou d'une autre, à un esprit de Jézabel. Amen. J'en suis convaincu. Alors, vous savez, cet esprit de la reine du ciel, il s'exprime sous toutes les latitudes, dans toutes les cultures, de milliers de façons. En Chine, on l'appelle Singmo, à Éphèse, c'était la grande Diane d'Éphèse, mais je peux vous en aligner des centaines. Ok? Des centaines. Je vous renvoie, là encore, et je tiens à le préciser tout de suite, je vous l'offre, si vous n'avez pas les moyens de l'acheter, écrivez-moi, je veux le livre, je n'ai pas de sous, je vous envoie. Amen. Le livre Echad, où j'ai parlé en long, en large, de ces choses. Et cela, depuis, mes amis, est vrai depuis le meurtre d'Abel par Caïn, parce que derrière Caïn, il y avait qui ? Il y avait Ève en position Jézabel vis-à-vis de Caïn. J'ai développé ça de nombreuses fois, et particulièrement dans mon livre Echad. Amen. Et cela est vrai à partir d'Abel, tué par Caïn, jusqu'à des millions de meurtres depuis la chute, j'ai dit. Vous savez, Néron, grand persécuteur de chrétiens, je parle de ça dans mon livre Errat aussi, a été élevé par deux femmes, pas sans père. On a tout compris. Ok, la personnalité de Néron était une personnalité d'Akab. C'est-à-dire un sale gosse, égoïste, cruel, enfin bon, menteur, tricheur, impur sexuellement à un point invraisemblable, soit faisant assassiner le gars qui couchait en vain. Et je pourrais vous en citer des tonnes et des tonnes. Je ne vais pas le faire ce matin, autrement on en a pour un message jusqu'à minuit ce soir. Allez voir dans mon livre, Echad. Vous avez un autre exemple, à Saint-Barthélemy, massacre de protestants en France. Alors on sait très bien que derrière le roi, qui en fait ne savait pas trop ce qu'il allait faire, il y a quelqu'un qui a poussé, hein, et c'est sa mère. C'est la fameuse Catherine de Médicis. Maintenant, pour comprendre vraiment tout ce qui est à l'origine de tout cela, de toute cette horreur, Jézabel Akab, nous devons retourner en Genèse. Nous n'allons pas aller dans la Bible, nous n'avons pas le temps, mais je vous explique. En Genèse, il nous est clairement expliqué que Dieu crée l'homme en premier, il le crée homme et femme, puisqu'il va tirer la femme de l'homme ensuite, et il crée non pas, comme le dit cette femme dont je viens de vous lire, les abominations, n'est-ce pas? Il ne crée pas la femme à l'image de l'homme, il crée l'homme à l'image de Dieu. Absolument différent. Amen. Bien, Dieu tire ensuite la femme de l'homme pour lui donner un vis-à-vis, un dialogue de deux êtres merveilleux uniques. Mais vous savez, c'est merveilleux une femme. Mais c'est merveilleux un homme aussi. Nous devons nous émerveiller l'un par rapport à l'autre. Moi, ce qui est différent de moi, m'émerveille. C'est pour ça que je ne vois pas comment on peut trouver de la place au racisme. Un frère noir, pour moi, je m'émerveille. Ah, c'est vraiment différent de moi. Mais ça m'émerveille. Un frère rouge, un frère jaune, ça m'émerveille. Pourquoi on n'aime pas les autres? Parce qu'on est amoureux de soi et puis c'est tout. On est à cap. Amen. L'homme libre aime tout ce qui est différent de lui. Ok, Dieu tire la femme de l'homme pour lui donner un vis-à-vis afin d'établir un dialogue. L'homme manifestant les principes de Dieu, la femme, les écoutant, c'est pour ça la Bible dit que l'homme doit aussi, vous savez, c'est marqué dans la Bible, enseigner sa femme. Pourquoi? Parce qu'elle est bête? Mais non! Parce qu'elle n'est pas cultivée? Mais non, ma femme est
avait plus d'études que moi. Oui, c'est comme ça. Oui, elle a fait plus que moi. Un peu plus. Mais c'est moi qui l'enseigne depuis. Vous croyez qu'elle n'est pas capable de réfléchir tout seul, mais si, très très bien. Très très bien. Elle a une autonomie. Elle est... Mais c'est moi qui prêche et elle écoute. Et en m'écoutant, quelque part, dans son esprit, elle magnifie et elle restitue les choses d'une façon ou d'une autre. Amen. Exactement comme l'homme donne une petite semence de rien du tout. Le spermatozoïde, c'est quoi? C'est un micron? On ne le voit même pas. C'est un demi-micron. Je ne sais pas ce que c'est. Mais sans ça, vous ne pouvez rien faire, mes sœurs. Hein. Pas. Mais une fois que vous l'avez, qu'est-ce que vous faites avec? Nous, on est épatés. J'aimerais que vous compreniez que la relation spirituelle d'un homme et d'une femme dans un couple, c'est du même ordre. Je sais, ça n'a encore guère été exploré par beaucoup de femmes, mais je vous invite, mes sœurs, à admirer vos maris. Il faut aussi pour ça que vos maris soient des hommes bibliques, et pas des camemberts mous, et pas des acabes. Des hommes prêts à donner leur vie pour leur épouse. Une femme ne peut pas admirer un homme qui n'est pas prêt à mourir pour elle. Et ça se sent, ça se sait. N'est-ce pas que ça se sent, ça se sait. Quand je dis « je suis prêt à mourir pour toi », tu sais que c'est vrai. Tu le sais. Dieu crée la femme pour une complémentarité. Alors j'ai écrit un livre qui s'appelle « Inséparable ». Je vous l'offre aussi si vous n'avez pas d'argent. Je vous le dis tout de suite, d'accord? Il faut bien que je précise chaque fois. Inséparable, où j'ai dit, le numéro 1 donne les principes, et numéro 2 magnifie les principes. Allez, je vais prendre un exemple un peu belge, après tout, pourquoi pas. Vous prenez la pomme de terre et vous prenez la frite. Pour faire des frites, je vais vous faire rire un peu, mais c'est très bien. Vous prenez une patate, vous la pelez, vous avez la pomme de terre crue. Vous la coupez, vous faites ce joli... Il n'y a que les Belges qui savent les faire bien, je dis tout de suite. Hein, le format, tout ça, la cuisson. Mais vous n'avez pas encore une frite. Il vaut les plonger dans quoi? Dans de l'huile bouillante. Et cette huile bouillante va faire des bouillons et va magnifier votre frite, votre patate, et en faire un délicieux mets qu'on appelle la frite. Vous y ajoutez un peu de sel, un peu de mayonnaise. Et voilà comment on magnifie une patate pour en faire une frite. Est-ce que vous commencez à... J'espère vous faire rire un peu. Mais vous savez, je vais vous interpeller, messieurs, je vais vous interpeller, mesdames. Quand avez-vous commencé à réfléchir à la façon dont vous pouvez magnifier les principes que votre mari relâche, si tant est qu'il en ait aussi. Il y a combien de femmes qui quittent leur mari un jour parce que oh, les principes que tu relâches ne m'intéressent pas. Je préfère d'autres principes. Un problème. Je ne veux pas le mari que j'ai. J'en veux un autre. Oui, mais tu l'as choisi. Alors comment tu vas faire pour amener un camembert mou, un pauvre type, il y en a, hein, à devenir un homme biblique. Ben, je vais te dire comment tu vas y arriver. Tu vas prendre, toi, ma sœur, la position de la femme biblique. Parce qu'il y a un principe presque de réaction automatique. Plus tu vas prendre ta position, plus, quelque part, dans l'invisible, tu vas provoquer le fait que l'autre va être obligé de prendre la sienne. Parce qu'il ne pourra plus supporter de te voir biblique quand il ne l'est pas lui. Tu obliges un homme biblique qui reste biblique face à sa femme, finira, je l'espère, par amener sa femme à être biblique aussi. Non pas parce qu'il va lui parler, mais parce que simplement, il y a une force dynamique dans le fait d'accomplir pour soi parfaitement les choses. Dans les 6 schémas relationnels, le problème, ce n'est pas seulement d'étudier les relations parents-enfants, enfants-parents, etc. Le tout, c'est de pratiquer. J'avais une très mauvaise relation avec mon,
défunt papa que j'aime au-delà de tout aujourd'hui, oui. Jusqu'au jour où Dieu m'a dit, toi, pratique ce que tu dois pratiquer. Honore ton père. Fais-le parfaitement. Pose un acte parfait par lequel tu honores. Mes amis, j'ai écrit une lettre à mon père. La relation qui n'existait pas. C'est-à-dire, mon père a été obligé d'ouvrir son cœur, alors qu'il n'était pas ouvert vers lui. Celui qui, avec une grande violence, une grande foi, décide d'être biblique dans un domaine relationnel, obligera toujours l'autre, à un moment donné, à devenir lui-même biblique. Les numéros 1 donnent les principes, les numéros 2 magnifient les principes. Je vous l'ai dit tantôt, dans le monde spirituel, Dieu est le super numéro 1, si j'ose m'exprimer ainsi, vous comprenez ce que je veux dire. Dieu, déjà avant de créer l'homme, avait installé ce principe relationnel numéro 1, numéro 2, dans le monde spirituel avec qui il a créé des anges, c'est pas, à son service, et il en a pris un parmi eux, et il l'a établi comme numéro 2, c'est-à-dire que Lucifer, avant d'être appelé Satan, était le porteur de lumière. Mais de quelle lumière était-il porteur? Bien, la lumière des principes divins, il les a portés, il les connaît. Il n'y a personne qui a connu autant Dieu que Lucifer lui-même, que Satan lui-même. Ça nous trouble, mais c'est comme ça. On connaît la suite de l'histoire. Il a voulu devenir un numéro un qu'il ne pouvait pas devenir, il a chuté. Et puis nous savons ce qui s'en est suivi. Je vous l'ai déjà dit tantôt. Il est venu dans le jardin d'Éden et il est allé loyalement trouver, n'est-ce pas, Adam, lui disant, on va faire un mauvais coup pour se révolter. Non, il est allé très malignement parler au numéro 2 pour discuter des principes dont il aurait dû parler avec le numéro 1. Et il a placé la femme dans une position du numéro 1, malgré elle, même sans qu'elle s'en rende compte. Elle a été bluffée, la pauvre. Vous avez été bluffée. Et il nous a dit ensuite qu'Adam ne pouvait plus faire qu'une chose, et il l'a faite. Il pouvait faire deux choses. Demander à Dieu une autre femme, il n'a pas fait. Non, c'est vrai. Parce qu'il l'aimait. Donc il a accepté de prendre, lui, la place du numéro 2. C'est-à-dire que la femme a pris le rôle d'un homme, et l'homme a pris le rôle d'une femme dans cette espèce de tournante. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui partout. J'ai développé ça aussi dans mon livre Echad, allez-y voir. La stratégie du diable était à plusieurs étages, mes amis, attention. Là, on arrive dans le cœur du sujet. D'abord, c'était détruire ce que Dieu a établi pour le couple. De détruire ensuite l'harmonie du couple originel, son dialogue, sa parfaite complémentarité. Le résultat, Madame Ève est mise en position de débattre, gérer des principes établis par Dieu avec Adam. Donc, il lui manque l'essentiel pour le faire. Donc, elle est mise en position d'autorité, mais il lui manque l'autorité. C'est quoi l'autorité? Bien, lorsque vous êtes à l'armée, vous êtes lieutenant, un officier, vous passez les examens, vous réussissez et vous êtes formé pour devenir capitaine. L'armée belge, c'est comme ça, un lieutenant puis capitaine. Ok, un jour, devant tout le monde, c'est pas, on dit, voilà, lieutenant machin, aujourd'hui, nous vous donnons un stick et des signaux sur le... Vous êtes capitaine, vous avez une autorité de capitaine. C'est-à-dire que des circonstances vous ont établi, vous avez l'autorité. Mais si vous êtes lieutenant et que vous commencez à vous balader dans une caserne en disant « je suis capitaine », vous n'avez pas l'autorité. De la même façon, la femme n'a pas été faite pour gérer les principes, mais les magnifier, ce qui est, je le répète, tout aussi extraordinaire. Alors la femme mise par Satan en position de gérer, puisqu'elle a discuté avec Satan de ce que Dieu a dit qu'on faisait ou qu'on ne faisait pas. Vous me suivez? Va être obligé, pour assumer ce rôle, de développer une autorité abusive.
Et là, on retombe sur ce que Paul dit, que la femme n'enseigne pas, c'est-à-dire qu'elle ne prenne pas autorité, ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas, en d'autres mots. Ne fais pas l'homme. Mes sœurs, arrêtez de vouloir faire l'homme, et vous les hommes, essayez d'être des hommes, arrêtez de vouloir faire, je ne sais pas trop quoi. Et pour, à partir de là, son autorité ne peut être qu'abusive, sans onction de Dieu. C'est une autorité qui mène à la confusion, à l'erreur. Nous venons de lire dans ce livre, que j'ose qualifier d'abominable, parce que si vous lisez toute la suite, vous verrez ce qui est écrit. En fait, cette femme est une ancienne catholique, adoratrice de Marie, déguisée en évangélique, c'est tout, en protestant, disons le tout net. Ok ? Cette autorité, cette fausse autorité, va semer finalement, n'est-ce pas, des dégâts considérables. Voilà. Elle va mener à vouloir contrôler. Vous savez, quand vous n'êtes pas sûr de vous, quand vous utilisez une autorité qui n'est pas la vôtre, vous savez ce que vous faites? Vous observez tout pour voir, ouais, on m'obéit là, on m'écoute. Quand vous avez une vraie autorité, vous fichez complètement que les gens vous désobéissent ou vous obéissent. C'est leur problème. Chez nous, dans l'heure, les gens qui nous ont quittés, je dis, c'est votre problème. Je vous bénis. Retenez ça. Quand vous avez une autorité qui n'est pas donnée par Dieu, vous cherchez toujours à contrôler. Quelqu'un à dominer, à contrôler. Je pose la question ce matin, est-ce que, franchement, vous avez le droit de parler? Est-ce que vous vous sentez contrôlé, dominé? Tu te sens contrôlé, dominé? Tu peux lire, hein? Peut-être que tu l'as un peu, peut-être que tu te sens un peu. C'est très important, ça, vous savez, il faut avoir le courage de le voir en face. Monsieur Adam se soumet, accepte, qu'est-ce que vous voulez qu'il devienne sinon infantile? Quand un homme perd son autorité ou accepte de la perdre, bah, il devient infantile. Il n'est plus un homme, il devient infantile. Alors quelqu'un d'infantile, il va faire quoi? C'est quelqu'un qui va aller par le vaste monde annoncer les vérités de Dieu? Non, c'est quelqu'un qui va se replier dans son petit cercle. Vous voyez? Ben, j'ai plus d'autorité, donc... Et vous avez tant d'hommes comme ça! Tant d'hommes, quand vous leur parlez, un jour, je parlais avec un pasteur en Suisse, un pasteur américain, et après 17 secondes, cet homme ne supportait plus le dialogue, puis j'ai compris que ce n'était pas avec moi, c'était avec tout le monde. Il n'avait rien, il n'avait pas d'autorité, il n'avait rien à dire. Alors, il préparait bien ses messages, parce qu'il avait été formaté, comme biblique, et tout ce qui s'ensuit, mais dans une relation directe, il s'évanouissait, il se liquéfiait en 15 secondes. Ce n'est pas très compliqué pour moi de comprendre quelle relation il devait avoir avec son épouse, sa mère, qui devait le dominer. Amen. Alors voilà, c'est ça, Cab. Amen. Mais cela, c'est ce que nous constatons des effets sur l'humain. Maintenant, nous continuons. Il y avait bien plus que ça, et bien plus grave que ça. C'est qu'à travers la faute acceptée par Ève et par Adam, pour moi, la partie de la chute la plus grave, elle est là. C'est là qu'elle est. C'est ce switch-là qui se fait. C'est ça qui est grave. Et c'est ça qu'il va faire lorsque, n'est-ce pas, le diable invite Ève à goûter à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. En fait, il l'invite à goûter à son arbre à lui, à son univers à lui, alors que Dieu leur a dit, surtout ne touchez pas à ça. Adam, peut-être, si le diable était venu lui trouver en face, lui dire, tu veux toucher à ça, voilà, il aurait peut-être dit non. Et c'est pour ça qu'il est passé par la femme. Non pas que la femme soit plus... Non, non, il l'a trompé quelque part, il a trompé la femme. Le diable a trompé la femme. Vous saisissez? Mais elle a quand même accepté. Elle aurait dû se rappeler, oui, mais attends, il y a quelque chose qui ne va pas. Et mes frères et sœurs, attention, parce que très souvent, et c'est quelque chose qui va s'amplifier dans les temps où nous sommes, nous avons envie de faire une chose où nous pensons de... Et puis nous sentons au fond de nous-mêmes, non, il ne faut pas le faire, il ne faut pas le dire, il ne faut pas... Ce n'est pas le moment. Vous voyez, comme le prophète qui est venu nous trouver il y a 3 jours, il a attendu que Dieu lui dise, tu prends l'avion, tu vas parler, maintenant.
pas hier, pas demain, maintenant. Il y a beaucoup du diable, vous savez, dans tout ça, dans la façon dont nous nous précipitons pour les choses, nous les retenons, etc. C'est le signe qu'il nous manque une vraie autorité. L'autorité n'étant pas commandée, l'autorité étant savoir ce qu'il faut faire, quand il faut le faire et où il faut le faire. Savoir ce qu'il faut dire, quand il faut le dire et où il faut le dire. C'est ça l'autorité. Ce n'est pas commander et diriger. Non, ce n'est pas ça. Voilà, donc... Le diable va tirer profit, n'est-ce pas, du péché d'Ève et d'Adam, d'Adam et Ève, comme vous voulez. Voilà. Et au fur et à mesure que l'humanité va répéter ce genre de péché sous toutes sortes de formes, cela va donner de la force, et c'est le but du diable, écoutez-moi bien, va donner de la force à un système spirituel qui va naître de là. Satan a besoin de ce système spirituel. Et ce système spirituel, c'est ce qu'on appelle la reine du ciel, mes amis. C'est-à-dire que, à travers la chute, ayant mis la femme dans la position de l'homme, et l'homme dans la position de la femme, ayant mis la femme en position de royauté, quelque part, de leadership, on peut déclencher la naissance d'un principe de divinité mère. À opposer au principe de divinité père. C'est ça, la grande bagarre, depuis la chute jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à la fin. C'est ça, la grande rouerie, la grande tromperie du diable. Et nous devons en prendre conscience. Voilà, donc, je l'ai dit, il invite subtilement par la femme numéro 2, et qu'avec l'assentiment de l'homme, va goûter de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, n'est-ce pas ? À revivre sa propre histoire magnifique de sa rébellion, mais en fait, il tente et parvient ainsi, il tente ainsi l'homme et la femme, péchant, n'est-ce pas, d'élever, de donner de la force à un principe démoniaque, tout spirituel, celui d'une divinité mère, je l'ai dit, à opposer au réel d'un Dieu Père. Le principe de cette divinité mère est virtuel, mais il existe dans le monde spirituel. Vous savez, les choses virtuelles, vous allez dire, ça n'existe pas. Si, ça existe. C'est virtuel, mais ça existe. Ça n'a pas le droit d'exister, mais ça existe. Alors que le Dieu Père, ce n'est pas virtuel. Ça existe de toute éternité. Vous voyez la différence? Et nous devons arriver à faire la différence entre ce qui est intangible, ce qui n'a ni commencement ni fin, qui est Dieu et qui vient de Dieu, et tout ce qui semble être de Dieu n'est pas de Dieu. Il est là, l'enjeu. C'est ça l'enjeu. Et la reine du ciel, c'est le verrou. C'est le verrou. À nous d'examiner, messieurs, je l'ai fait avec courage, notre entourage féminin, nos mamans, nos grands-mamans, nos épouses, nos filles. Qu'y a-t-il de Jézabel chez elle ou pas? Et à partir de là, je vais examiner mes parents, mes grands-parents, mes fils, moi-même, qu'y a-t-il d'Akab chez moi? Est-ce que je prends position dans ces choses ou est-ce que je suis... Et n'allez pas trop vite pour dire que tout est réglé. C'est très difficile. C'est très difficile parce que c'est toute l'humanité qui a été enfermée dans ce schéma, ce scénario infernal, extrêmement polluant, extrêmement... négatif. Et nous devons tous avoir beaucoup de courage pour en sortir. En Yeshua, c'est possible. Je répète, en Yeshua, c'est possible. Sans Jésus, c'est pas possible. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. En Jésus, en Yeshua, vous avez le pouvoir d'être libéré d'Akab et de Jézabel dans votre propre vie d'abord, avant de vous attaquer à celle des autres. Ok ? Donc, ceci est très important. Donc, ce principe du péché répété, chaque fois qu'un homme est démissionnaire ou est accable, il donne de la force à quoi? À la reine du ciel. Chaque fois qu'une femme veut dominer, veut contrôler ou veut devenir une Jézabel, elle donne un grand pouvoir à qui? À la reine du ciel. Qui est derrière la reine du ciel? Satan. Donc, chaque fois que vous vivez ces choses, contrairement à ce que la parole de Dieu nous enseigne, vous servez qui? Le royaume de Satan. Waouh, 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 waouh.
Ce n'est pas un hasard de voir les enfants forts, pardon, en certains milieux chrétiens, n'est-ce pas? Pardon, excusez-moi, ce n'est pas ça. Ce n'est pas un hasard aujourd'hui de voir, n'est-ce pas, dans certains milieux dits chrétiens, les efforts faits, et c'est des efforts réels, hein, pour introduire la notion théologique d'un Dieu femme, féminin. C'est carrément ouvert. Et ne cherchez pas plus loin tout ce qui se passe aujourd'hui dans l'Église, hein. Après avoir intronisé des pasteurs femmes. Alors, un pasteur femme qui serait une femme humble et douce, je veux bien, mais je suis convaincu que si on donne un titre de pasteur à une femme, on lui donne une autorité. Et c'est là que les choses vont aller mal. C'est pour ça que je ne vois pas dans la Bible de femme pasteur. Enfin bref, on peut parler là-dessus des heures et des heures. Ce n'est pas le but. Il y a une guerre qui est faite en ce moment, c'est pas pour introduire la notion d'un Dieu femme. Bien sûr, tout ça avec la complicité, il faut le dire, hein, de milieux chrétiens féministes, parce qu'il y a un féminisme chrétien aujourd'hui qui est acharné. Ce livre-là dont je vous ai parlé en est la démonstration, j'en ai vu d'autres. Je me rappelle d'une femme qui était venue en entretien de relation d'aide. Nous étions trois frères. Alors, elle s'est assise devant nous, elle a dit, d'abord une chose, c'est moi qui vais diriger les opérations, je vais vous dire les domaines où vous devez prier pour moi. Donc, elle me demandait un entretien, enfin, sous un regard spirituel d'homme de Dieu pour essayer de l'aider, mais d'emblée, elle s'est installée dans la position de celle qui va décider ce qui est bon pour elle ou pas bon pour elle. Donc, nous avions juste à attendre poliment qu'elle veuille bien dire « Veuillez prier pour moi, pour tel problème et pour tel problème, mais taisez-vous pour le reste. Hein. » C'était ça. Mes amis, c'est ahurissant. Et cette personne ne s'est pas rendue compte un instant qu'elle avait un gros problème. À partir de là, comme je l'explique dans mon livre Errad, encore une fois, toute l'histoire de l'humanité démarre en ces aspects abominables. Caïn et son étrange lien avec Ève le conduit, n'est-ce pas, à une forme d'inceste spirituel. J'ai développé ça dans mon livre. Ensuite, vous avez une flopée de situations semblables à celle-là. Vous avez le fameux Nimrod, n'est-ce pas, qui était marié avec sa mère, Sémiramis. C'est pas seulement un mythe. Il y a quelque chose de réel dans tout ça. Et il est connu que lorsque Nimrod est mort, sa mère, Sémiramis, qui le gouvernait, qui le contrôlait, a dit c'était un dieu. Alors vous savez, si elle peut dire de son fils qu'il était un dieu, c'est qu'elle était une super déesse. Ça, évidemment, personne n'y pense, mais c'était le but qu'elle recherchait, elle. Qu'elle s'assied sur la mort de son fils pour s'élever encore plus. Elle l'a tué, son fils. Elle l'a tué en l'envoyant dans un schéma, n'est-ce pas, accable, absolu. Un grand chasseur devant l'Éternel. Un grand chasseur de ses caprices, oui. Ça va être le fondateur de Babel, Babylone. Ça vous dit quelque chose? Et nous savons tous que le système pyramidal de l'Église catholique et le système pyramidal de toutes nos dénominations évangéliques protestantes, c'est la même chose, c'est le même esprit, c'est la même... Voilà, on a donné cent et cent enseignements là-dessus. Ces dernières années, vous les connaissez, je ne vais pas revenir dessus. Et tout le reste, jusqu'à tout ce qu'on peut relever comme effet pervers. Vous savez, quand Vadim a fait son film avec Brigitte Bardot dans les années 50, 60, je ne sais plus, et qu'il l'a intitulé « Et Dieu créa la femme ». Vous avez tout compris. Quand vous voyez que sur les mairies françaises, vous trouvez le symbole de la France, c'est quoi? Marianne. C'est Marianne, avec son bonnet phrygien. Et alors c'est tantôt Catherine Deneuve, le modèle, tantôt c'est Brigitte Bardot, tantôt c'est encore... Maintenant c'est une lesbienne, je pense, qui est le modèle. Écoutez, on a tout dit, on a tout compris. Voilà, est-ce qu'il faut que je vous raconte les trois consécrations à la Reine du Ciel de Notre-Dame de Paris, ce fameux monument? Eh bien tout le monde sait qu'à l'époque celte, les druides sacrifiaient des vierges et les jetaient, n'est-ce pas, dans la rivière qu'ils appelaient Sequana. Et Sequana, d'où le nom la Seine, eh bien c'était le nom de qui? Eh bien, de la reine du ciel des Celtes, d'une des nombreuses divinités femmes qu'ils adoraient. Et puis, est-ce que c'est un hasard
Si quelques siècles après ça, on va construire une cathédrale en l'honneur de Jésus. Oh non, pas pardon, pas de Jésus. De qui? De Notre-Dame de Paris. C'est la même. Et puis, vous croyez que c'est un hasard si quelques temps après, quelques siècles après, vers 1789, ça vous dit quelque chose, 1789? Ah oui, il y a eu des petites émeutes à Paris. Rien de grave. Non, non, c'était tout à fait... Bon, les Français sont comme ça, ils aiment bien bouger. Hein. Non. On a amené dans Notre-Dame de Paris une comédienne du théâtre français entièrement nue, à peine couverte de voiles de gaz. On pouvait deviner tout sous les voiles de gaz. Dans Notre-Dame de Paris, devant des prêtres, devant des pasteurs, devant des rabbins, on a brûlé des Torahs, on a brûlé des Bibles, on a brûlé des livres de messe. Et puis, je ne sais plus qui, j'ai oublié son nom, n'est-ce pas, a enlevé le voile et a dit, c'est pas Dieu que vous devez adorer, c'est la créature. C'est elle. Troisième consécration. À travers une femme dévoilée, nue, à qui? Au système de la reine du ciel. Vous croyez que les hommes qui étaient là, ces prêtres, ces rabbins, ces pasteurs, qui ont accepté, au lieu de se lever et dire, mais nous refusons ça au nom de Jésus, ils ont été décapités, bien sûr, et alors? C'était des accables, mes amis. Des accables. Et la foule réunie dans l'entente de Paris, cela a été faite de Jézabel et de pauvres types qui applaudissaient en disant « Ouais, maintenant on va faire une orgie avec nos femmes. » Mais oui, mes amis. Bien sûr. Rien d'autre. C'est ce qu'ils ont fait. Je vous invite pour cela à lire aussi mon livre « La bête et son image ». Ça y est, vraiment de la pub pour ce livre. Non, je vous l'offre aussi, si vous le voulez. Retour à la Jézabel, reine de l'Ancien Testament. Jézabel n'a qu'un mari, faible, capricieux, infantile. Par contre, elle a une cour de 450 faux prophètes. Je n'ai pas le temps de développer. Mais si des milliers d'adorateurs de Marie, aujourd'hui, des milliers de figures de la reine du ciel, dont l'élévation commence à la chute, se trouve parmi les évêques, les cardinaux, les prêtres, les papes, représentant la cour de Jézabel dans l'Église catholique. Il y a aussi aujourd'hui, du fait qu'ils sont toujours dans des structures pyramidales, entre autres, nombre de pasteurs qui font partie de cette cour de Jézabel, car Jézabel est violemment de retour en un terrain qui est celui de l'apostasie en ces jours. Il y a de moins en moins d'hommes de Dieu virils qui refuse de baisser le pavillon devant Jézabel aujourd'hui. Jézabel est toujours en confrontation directe avec les vrais prophètes. Et seuls les faux prophètes, de Coussinet et autres, travaillent avec elle. Et donc, pour elle, il en existe, ces prophètes. Et j'en connais. Quant à, je ne citerai pas de nom. Alléluia. Que Dieu les bénisse. Que Dieu les sauve. Que Dieu les tire d'où ils sont. Contrairement à ce qui est dit, ce qu'a dit récemment, j'ai vu sur Internet aussi un étrange pasteur qui m'avait l'air bien malheureux d'ailleurs. C'est bizarre, moi, un homme qui prêche et qui a l'air malheureux. Calimero. C'est trop injuste. Tête de coquère. Ça m'a déjà mis mal à l'aise. J'ai dit, mais dis donc, mon cher ami, si tu veux nous parler, il nous parlait de Jézabel. Alors c'est très étrange parce qu'il a parlé de Jézabel. Et puis, il a parlé surtout du fait que, et j'aimerais bien en parler quelque peu de cela, parce que c'est, ce qu'il a dit là est faux, c'est-à-dire n'est pas faux, mais n'est pas totalement correct et peut amener à l'erreur. Il a dit, beaucoup de pasteurs ont l'esprit de Jézabel. Et c'est très amusant parce que j'ai trouvé cela sur un site qui est pour moi celui d'une Jézabel. Mais j'ai compris. Et que cet homme n'osait pas aller jusqu'au bout de sa déclaration et dire l'esprit d'Isabelle est quelque chose qui relève de la femme, pas de l'homme. Quant à l'homme, il s'agit de l'esprit d'Acab. Mais je vous accorde que Jézabel, qui peut devenir une tueuse et qui va vous tuer si vous ne vous soumettez pas à elle, elle transporte un état d'esprit qui peut se reproduire chez un Acab qui lui aussi devient un petit tyran. Rappelez-vous, les hommes qui n'ont pas d'autorité deviennent des tyrans. Toujours. On l'a tous connu, hein. Même dans nos reins. Dans nos proches, parfois. Hein?
Il était sous l'emprise de sa mère. C'est clair. Je l'aimais beaucoup, mais il était sous l'emprise de sa mère. Ça se voyait, c'était évident. Tu ne passes pas me voir tous les jours, tu n'es plus mon fils. Faut tuer ta mère, mon frère. C'est une façon de parler quand je dis ça. On parle beaucoup de tuer le père, mais la mère, c'est... Il y a beaucoup de mères qu'on devrait un petit peu... Hein? Reste avec ton mari, laisse-moi vivre ma vie, quand même. Hein? Faites-le, vous devez le faire. Ok? Alors, cet homme, je sais pas, a pris... Parce qu'il n'a pas osé aller jusqu'au bout des choses. Bref, l'esprit de Jézabel n'est pas un esprit masculin qui se manifeste surtout chez les prophètes. C'est faux. En plus, cet homme ajoute qu'on trouve cet esprit de Jézabel beaucoup chez les prophètes aujourd'hui. Cela est faux. Chez les faux prophètes, vous allez découvrir non pas l'esprit de Jézabel, mais l'esprit d'Akab, qui est inféodé et esclave de Jézabel, et qui, a qui reproduit les fautes de Jézabel. Par exemple, j'ai vérifié que Jézabel, sa stratégie ultime, quand elle ne peut pas vous tuer, elle va mentir contre vous, elle va inventer des choses contre vous, elle va ramasser des ragots contre vous le plus possible pour essayer de détruire votre réputation. Ça, c'est typique Jézabel. Les Akab font la même chose. Quand ils voient qu'ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent, ils vont mentir, retrouver ce qu'ils veulent. Nous avons connu ça il y a des années et des années, tu t'en souviens? Un couple, soi-disant de serviteurs, nous a demandé de l'aide parce que dans leur église, c'était la catastrophe. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Nous avons peut-être commis l'erreur, mais je ne crois pas que c'est l'erreur, Dieu nous a enseigné, d'accepter. Alors je suis allé et nous avons découvert finalement, comme on dit en Belgique, un bazar qui n'était pas piqué les verres. Une énorme, un désordre sexuel dans le couple, inimaginable, le tout camouflé. Un discours d'amour en permanence. Dans cette église, on prêchait l'amour, 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 l'amour. Puis derrière le paravent de l'amour, il y avait, oulala, beaucoup d'impuretés sexuelles, beaucoup de choses troubles, beaucoup, et toute une structure aussi qui n'était pas de Dieu. Donc, je me suis employé, puisqu'on m'a demandé de venir essayer de voilà, établir quelque chose, on m'a invité comme apôtre, on m'a dit tu viens, parce que j'étais reconnu comme apôtre dans un groupe de serviteurs. Et donc, avec bon cœur, j'ai commencé à déminer toutes sortes de fausses positions, avec l'assentiment des gens qui souffraient de devoir faire des choses auxquelles ils n'étaient pas appelés. Et peu à peu, donc, on a essayé de mettre en place, tout doucement, les bases de quelque chose qui viendrait de Dieu. Jusqu'au jour où la femme de ce pasteur, n'est-ce pas, qui faisait fugue sur fugue et qui se retrouvait hospitalisé tous les deux mois, voilà, je ne rentre pas dans les détails, n'est-ce pas, a pété les plombs tout simplement et le Seigneur me l'a montré. Elle a décidé, parce que ce couple était à Cap Jézabel, si tu ne descends pas le frère qui est en train de travailler là pour remettre les choses en place, eh bien, entre nous, il n'y aura plus rien. Vous m'avez compris? Donc cet homme s'est retourné. Il s'est retourné parce qu'en attendant, étant donné les frasques de son épouse, il avait déclaré publiquement vouloir nous remettre son assemblée. Nous l'avons accepté. Ensuite, les choses se sont retournées. Il y a eu un chantage. Et cet homme s'est retourné et a déclaré qu'on lui avait pris son assemblée. Ça, c'est typique. Jézabel Akab, le mensonge. Je ne vous donne pas ici de détails, parce que si je dois vous donner tout le détail, ces gens devraient être en prison aujourd'hui. Ben, peut-être plus, il y a peut-être prescription. Mais... Amen. L'esprit de Jézabel n'est pas un esprit masculin, c'est un esprit féminin. Et c'est l'esprit masculin, c'est l'esprit d'Akab. Amen. Les vrais prophètes, Élie a été confronté à Jézabel, n'est-ce pas, ne sont jamais des affidés de Jézabel, jamais. Ils sont opposés à Jézabel. D'ailleurs, Élie va massacrer
tout l'arrière-ban de Jézabel, avec 450 prophètes qui vont, ils vont y passer. Amen. L'esprit d'Élie aujourd'hui, mes amis, se lève aussi pour confronter les faux prophètes de Jézabel. Le message aujourd'hui, il est solennel parce que j'ai la conviction que maintenant, l'esprit d'Élie se lève. Et vous savez, j'ai eu bizarrement quelques contacts comme ça avec des gens solides. Et j'ai entendu, j'en ai marre de Jézabel. J'en ai marre d'Akab. On va se lever. Alors, on va laisser Dieu marcher devant nous dans cette affaire. Attention, je n'ai pas dit qu'on a créé une organisation de frères qui vont... Non, on ne fait rien du tout. C'est Dieu qui est en train de... s'user quelque chose. Et c'est Dieu qui va marcher dans cette affaire. Ce n'est pas nous. Amen. Jean-Baptiste, je l'ai dit tantôt, était un vrai prophète, n'est-ce pas? Il était confronté à Jézabel, ça lui a coûté la vie. Et si vous remontez dans l'histoire de tous les prophètes, vous allez vous rendre compte que c'est le même scénario. En arrière-plan, il y a toujours, toujours Jézabel quelque part. Quand je dis que ceux qui ont voulu que Jésus soit tué ici, c'est parce qu'ils ne supportaient pas que Yeshua ne se soumette pas à eux. Alors Yeshua n'avait rien à voir avec Akab. Mais eux étaient soumis à toutes sortes de dérèglements en coulisses. Ces gens n'avaient pas une vraie autorité. Donc ils voulaient contrôler. En fait, leur autorité était mise à nu comme nulle, sans arrêt, par l'autorité qu'avait Jésus. D'ailleurs, Jésus dira, quand ils viendront demander de quelle autorité fais-tu ces choses, il dira, mais vous, de quelle autorité? Vous n'en avez pas, mes amis. Donc vous contrôlez, vous courez partout. Il faut l'arrêter. Et ils vont continuer avec les apôtres après. Et avec Étienne, quand Étienne, devant le Sanhédrin, va avec autorité dire toute la vérité. Il le tue, mes amis, parce que non, on ne peut pas laisser dire une chose pareille, ce n'est pas possible. Ça nous déshabille devant tout le monde, ça nous met à nu. Nous n'avons aucune autorité. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. La raison pour laquelle, je vais vous le dire, le Seigneur ne m'a jamais permis de faire partie d'une dénomination, d'une fédération, je vais vous la dire pourquoi. Je vais dire pourquoi, parce que tout ça est construit sur un modèle pyramidal, et c'est des constructions d'hommes. Je me souviens, il y a très très longtemps, j'ai eu dans ma vie un pasteur qui a fait un travail formidable dans mon existence, tout à fait. Formidable. Mais il y avait quelque chose de bizarre chez cet homme. Il y avait un besoin, toi tu vas t'en souvenir aussi, de constamment, il y avait une crainte que son autorité ne soit pas respectée. Si vous avez peur qu'on ne respecte pas votre autorité, c'est que vous n'avez pas d'autorité. Moi, tu manques de respect, très franchement, c'est ton problème. Ça ne va pas m'atteindre. Alors, il y avait donc une faille dans la vie de cet homme. Et je rigolais un peu parce que je disais à ma femme, il était très grand, je me souviens. Puis j'avais l'impression que tous les ans, il a ajouté une marche à son estrade. Vous voyez, pour... Indépendamment de ça, rien à dire. C'était un homme qui prêchait la parole de Dieu bien. C'était un homme de bon conseil. C'était un homme vertueux, un homme droit. Tout ça, il avait les qualités. Donc on peut très bien être sous l'emprise de Jézabel et avoir toutes les apparences d'être un homme de Dieu. Et je lui suis gré de tout ce qu'il m'a apporté. Mes frères et sœurs, quand j'ai quitté cette église, parce que j'ai trouvé du travail à 100 km de là et que je ne pouvais plus, n'est-ce pas, faire les trajets pour venir dans cette assemblée, vous savez ce que l'Esprit de Dieu m'a dit? Secte. Je dis quoi? Oui, un aspect sectaire dans le fonctionnement du frère. J'ai mis des années à comprendre jusqu'au jour où, étant loin de lui et dans mon développement au ministère, n'est-ce pas, quelque part dans une région où jamais l'évangile n'avait été prêché, je ne veux pas être trop précis parce qu'il y aura fatalement des gens pour essayer d'aller voir qui c'est. Et j'ai amené au Seigneur, il y avait un petit réveil dans un village très païen, catholique, etc. Et donc,
C'est vrai, on avait amené au Seigneur, en l'espace de 2 semaines, 15 personnes, et il y avait une assemblée de maisons qui allait s'établir. Et à l'époque, je jouais le jeu avec beaucoup d'honnêteté. J'avais été appelé au ministère d'évangéliste, et je savais que j'étais évangéliste, mais que je n'étais pas pasteur, je n'étais pas apôtre, je n'étais pas docteur, je n'étais pas. J'étais évangéliste, c'est tout. Pas prophète, rien du tout. Donc, je me suis dit, enfin, je ne me suis rien dit du tout. L'Esprit de Dieu en moi me disait, ton autorité, elle commence là, elle finit là, comme évangéliste, pas plus loin. Donc, tu dois faire appel à quelqu'un d'autre. Vous voyez, j'étais déjà complètement dans le système biblique des actes. Je n'ai pas fait appel à un pasteur d'une dénomination à laquelle j'appartiendrais. Donc, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, je vois que lui là-bas, pour qu'il vienne enseigner. Donc, je lui ai téléphoné, je lui ai dit, est-ce que tu viendrais enseigner? Voilà, je te dis honnêtement, moi je suis évangéliste, je sens que j'ai atteint mes limites, donc il faudrait quelqu'un d'autre qui vienne collaborer avec moi pour. Alors il m'a répondu, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. En fait, ce qui le dérangeait, c'est que j'avais évangélisé dans une zone qui, dans sa tête, à lui, lui appartenait. Ça, c'est typique des gens qui ont une fausse autorité. Ils s'inventent un pouvoir sur une zone, une région. J'ai rencontré ça partout où je suis allé. C'est un des plus grands maux du monde chrétien évangélique et catholique et de tout ce qui est religieux. C'est à moi et tu ne peux pas y mettre les pieds. Il n'y a pas plus intolérant que des religieux qui n'ont pas d'autorité. Voilà ce que je suis en train de vous dire. Et qui veulent contrôler. On en voit partout, même en Suisse. Hein? D'accord avec moi. Alors bon, ça s'est arrêté là, il n'est jamais venu. Mais l'année après, par hasard, je suis tombé sur le petit bouquin de sa dénomination, où il y avait les noms et les églises et tout. Et je l'ouvre. Je lis, et puis je tombe sur le nom du village où nous vivions, et où il est écrit Réunion de maison, responsable, pasteur, un tel. Il n'y avait jamais mis les pieds. Alors je dis, mais c'est quoi ce genre de bonhomme? Ben, c'est un menteur. C'est un homme qui ment, et pourtant il n'y avait pas un homme plus droit que lui. Mais là, il n'a pas pu s'en empêcher, il a menti. Parce que ça convoitise. La partie accable de son cœur. Il a voulu prendre la vigne de Naboth. Vous voyez, c'était un homme droit, un homme que je croyais droit, un homme que je croyais. J'avais du respect pour lui, j'avais de l'estime pour lui, de l'admiration pour lui. Mais il y avait. Alors, je me suis souvenu hier, en préparant mon message, mais quand ses parents revenaient de l'étranger dans l'église, il y avait une personne dans le couple que tout le monde fuyait, c'était la maman de ce pasteur, qui était un véritable, on va dire, un véritable dragon, qui dirigeait tout dans le couple. Vous voyez, il y avait donc une espèce de lien inconscient même chez ce pasteur avec sa mère, qui le dominait, qui le contrôlait. Achab, Jézabel, mes amis, ça peut être votre maman, ça peut être votre femme. Ça peut être, oh vous savez, je suis persuadé qu'il y a beaucoup de Jézabel qui ont autour d'elles des hommes célibataires qui n'ont jamais su se marier. Et j'en ai eu la démonstration. Ok, allez, on avance, on va bientôt finir, rassurez-vous. Voilà, donc, retenir ceci, Jézabel s'attaque toujours aux vrais prophètes, je l'ai dit, car ils sont des flambeaux de vérité comme le fut Abel, n'est-ce pas? Et tant d'autres après lui. Jézabel va vouloir les tuer, en direct ou au travers de qui? De ses esclaves, de ses Akabs. Jézabel peut avoir beaucoup d'Akabs autour d'elle. J'en connais qui ont beaucoup d'Akabs autour d'elle, qui mettent leur mari en esclavage. Ici à Jérusalem, il y a quelques années, tu t'en souviens, on avait été invité à une conférence d'une femme qui travaillait, je dis ouvertement, parce qu'elle a été reconnue maintenant comme ayant de fausses doctrines, et puis elle les réfutait publiquement. Donc, elle s'appelait, comment déjà, Gwencho. Et nous sommes allés écouter la représentante de Gwencho ici à Jérusalem. Nous n'avons jamais eu autant honte de notre vie, ma femme et moi. On est sortis.
On n'en pouvait plus. Alors, le mari de cette femme était là, soi-disant, pour prêcher. Il n'a jamais prêché. Elle a pris la parole, elle a tenu le crachoir pendant une heure et demie. Et lorsque son mari se levait pour dire, je vais, chérie, je vais quand même, assieds-toi, je continue. Et on a eu droit au déballage le plus odieux auquel, pas, où elle nous raconte qu'elle arrive dans une grande, comment, un stade en Afrique, et où tout le monde se lève et applaudit et hurle de bonheur, et dit « parce qu'ils m'ont pris pour Gwen Shaw ». Mais j'étais quand même heureuse. Rendez compte ce genre de discours. Pendant que son mari était là en train d'attendre, un géant d'heure, un colosse, mais faible, un moustique de caractère, moi, il y a longtemps, je me suis dit « écoute, tu attention à ma chérie, c'est moi qui dois prêcher ce soir, d'accord ?» Tant pis, ça aurait choqué du monde, mais ce spectacle-là ne choquait personne. Pourquoi? Parce qu'il y avait des femmes qui étaient gigantesques, d'ailleurs, toutes physiquement, je me souviens, et puis des hommes minuscules à côté, et tout le monde, tout le monde riolait. Alors que le spectacle était, oh Dieu, était honteux. C'était honteux. Alors, voilà, Jézabel s'attaque toujours aux faux prophètes, mais elle le fait à travers aussi ses esclaves. Jézabel a besoin d'esclaves. Et mes amis, les vrais prophètes sont des porteurs de lumière, et Jézabel essaiera toujours d'éteindre les porteurs de lumière. Il faut qu'elle les tue. Il faut qu'elle les tue. Parce que quelqu'un qui lui résiste en face et qui porte une lumière, un jour ou l'autre, s'il tient bon, Dieu aura la victoire à travers lui. Pas lui aura la victoire. Vous savez, quand Jézabel poursuit Élie, cher Élie, qui doit se réfugier dans une caverne, et puis à l'image de cette tempête qui passe, on pourrait dire que c'est la colère de Jézabel. Hein. Et puis après tout ça, il y a la voix douce de Dieu qui se fait entendre. Et il n'y a plus de cri, il n'y a plus de colère, il n'y a plus rien. Jézabel est dissipé. Donc je vous encourage, mes frères, si vous êtes poursuivis par Jézabel aujourd'hui, eh bien, levez-vous quand même pour la confronter. Et puis, elle vous poursuit, elle vous agresse. Elle ment, elle raconte des choses fausses contre vous. Laissez-la faire, vous ne pouvez pas l'en empêcher. Et là, il ne faut peut-être même pas l'en empêcher. Chacun se révèle tel qu'il est. Mais au bout du compte, rassurez-vous, Dieu va éteindre sa mèche. Ça, c'est certain. Amen. On continue, on termine, rassurez-vous. Jézabel veut toujours tenter d'éteindre la lumière et même d'enterrer, n'est-ce pas? Et elle le fait aujourd'hui en terre chrétienne, n'est-ce pas? Des pans entiers de lumière se sont éteints en Europe. Est-ce que c'est une victoire définitive? Non, car au final, la lumière qui vient de Dieu, elle est Dieu. Et nul ne pourra l'éteindre, même si tout cherche à nous le faire croire aujourd'hui. Alors, il y a un grand espoir aujourd'hui. C'est que Dieu va s'y mettre dans cette affaire, avec Jézabel. Et Akab aussi, messieurs Akab. Repentez-vous vite fait de vos trahisons, de vos mensonges, de vos lâchetés. Mesdames et Jézabel, repentez-vous vite fait de vos mensonges, de votre autorité usurpée par la manipulation. Et vous, messieurs les Akab, qui n'avez aucune autorité et qui terrorisez votre monde autour de vous pour obtenir ce que vous voulez obtenir, vous, pour votre seule pratique. Nous avons des cargaison entière de faux passeurs comme ça aujourd'hui. Il suffit d'aller sur Internet et de voir les scandales. Il suffit d'aller voir. La preuve est ici, et que ici, et je note dans certains messages que j'entends à gauche, à droite, il y a un ras-le-bol d'hommes courageux et de femmes dignes, mes amis, respectables, vertueuses, n'est-ce pas, par rapport à l'esprit de Jézabel aujourd'hui dans l'Église, qui est un fait démoniaque qui tente de saisir là où il le peut des femmes perdues, des pauvres femmes, avec la complicité d'hommes perdus, de pauvres hommes, des accables. Jézabel avait une cour de faux prophètes, 450. Pourquoi? Pour installer sa religion, celle de son pouvoir. Rome, la reine du ciel, ses serviteurs, on en a parlé pendant des siècles, massacrés, bien sûr. Combien de millions de protestants
pendant des siècles. Combien de millions de... Voilà. Massacrer de vrais chrétiens pendant des siècles parce qu'ils refusaient tout ce qui allait avec simplement le culte marial. Vous savez, l'inquisition catholique n'avait qu'un but, faire dire par la torture à des protestants, y compris à une grande noble d'Espagne, qu'ils ont torturée pour qu'elle dise « Je m'incline devant Marie, Reine du ciel ». C'était le grand discours que les jésuites utilisaient, que l'inquisition, pas l'inquisition, c'est les dominicains, utilisaient pour ramener les protestants. Si vous disiez « J'accepte à nouveau de prier Marie et de la reconnaître comme mère de Jésus », attention, mère de Jésus dans le sens qui est plus grande que Jésus, c'est ça, Jézabel à Cap. Ce que les catholiques vénèrent, ce n'est pas le Jésus de la Bible, c'est le petit Jésus. Vous avez remarqué? Tout le petit Jésus dans les bras de Marie, la douce Marie, le petit Jésus. Bisous. Le Jésus en sucre. Le Jésus derrière tout nu qui fait coucou. C'est de la blague, ça. Ou le Jésus mort. Vous avez deux Jésus possibles dans l'Église catholique, dans toutes les représentations. J'ai étudié l'histoire de l'art, je connais. Vous ne trouverez jamais dans l'iconographie catholique Marie genoux devant Jésus et reconnaissant qu'il est Dieu et fils de Dieu. Jamais. Mais vous trouverez toujours le petit Jésus à fesses roses dans les bras de Marie, la grande Marie, reine du ciel, et Jésus avec une petite couronne à côté, où vous le trouvez mort dans ses bras. Ça, c'est Jézabel et Acab. C'est Jésus transformé en Acab pour la reine du ciel. Attention, mes amis, ceci est. Jézabel a aussi besoin de son parterre de complices, des hommes qui vont refléter et être sujets jusqu'à un certain point de son esprit de domination et de contrôle. J'en ai parlé. Le point commun, toujours, entre ces femmes et ces hommes, vous creusez un peu, vous découvrez toujours une sexualité délabrée, au minimum, camouflée. Ce qui conduit certains à dire que l'esprit de Jézabel concerne aussi bien les hommes que les femmes. J'ai expliqué que non. Eh ben, c'est l'impact de Jézabel sur les hommes à Acab qui fait que, n'est-ce pas, voilà. Alors, j'ai parlé aussi du goût malsain pour le monde des démons, qui est une spécificité Jézabel à Acab. Et je suis profondément méfiant avec beaucoup de choses qui sont sorties, certains livres, etc. Il y a, n'est-ce pas, une évidence pour moi. Nous n'avons pas besoin, si nous avons une véritable autorité, le jour où nous devons chasser un démon, nous le chassons tout simplement. Et nous n'avons pas besoin d'aller fouiller, creuser de mille manières pour essayer de voir comment ça fonctionne pas. Nous ne faisons qu'une chose, nous démontrons un goût malsain pour le monde démoniaque qui, lui, est tout content qu'on le mette un peu en valeur. Ok, j'en ai dit assez là-dessus, je ne le redis pas. Ok, voilà. Ok. C'est la raison pour laquelle Dieu m'a désespérément... Alors, je reviens ici au phénomène des dénominations qui sont toujours, n'est-ce pas, parce que vous faites partie d'une dénomination, vous ne savez pas qui, avec qui vous allez travailler. Vous savez, normalement, si on travaille entre serviteurs, on doit être soumis les uns aux autres. Hein? Nous essayons de le vivre entre nous, hein, serviteurs de Dieu. Mais, attendez, si on est soumis les uns aux autres, on doit être du même... de la même étoffe. Je veux dire, on doit être homme biblique. Mais si vous êtes dans une dénomination où vous devez être soumis, peut-être même à un leader, qui quelque part est quand même soumis à l'esprit de Jézabel, même sans qu'il s'en rende compte, vous allez rentrer dans un système corrompu. Automatiquement. Croyez-moi, c'est inévitable. Donc, nous ne devons jamais faire partie d'une dénomination, d'une fédération. C'est la continuité de ce que l'Église catholique était. Un assemblage d'hommes, et souvent de type Acab, sous la gouverne de la Reine du Ciel. Je viens de vous parler de ce pasteur que j'ai connu, que j'estimais, que je respectais, mais néanmoins était sous la coupe de Jézabel, donc de la Reine du Ciel, donc de Satan quelque part. Mais oui, de Satan. Et c'est pas possible.
On ne peut pas prêcher l'évangile et être sous la coupe de Satan. On peut prêcher l'évangile et être mal. Je ne dis pas qu'il n'est pas sauvé. Je n'ai pas dit ça. Bien que je me pose la question, est-ce qu'un homme de Dieu véritable, qui a reçu une véritable autorité de Dieu, ne va pas être obligé de débusquer ce qu'il y a de Jézabel dans son entourage? Je le crois. Parce que quand j'en pense à ce pasteur, je connais aussi l'histoire de son élection en tant que pasteur. C'est une histoire d'homme. Je ne vais pas entrer dans les détails. C'est intéressant, ça. C'est une histoire d'homme. Ce n'est pas Dieu. C'est une histoire d'homme. Vous savez qu'on établit des pasteurs dans les dénominations, alors que Dieu n'a jamais dit d'établir ces gens. Hein. C'en est plein. Plein. J'ai encore rencontré un récemment. Il ressemblait à tout sauf un homme de Dieu. Il n'y avait aucune autorité, aucune onction. Vous savez, quand vous êtes en face de quelqu'un qui a une onction, vous le savez. Quelqu'un qui a vraiment reçu quelque chose de Dieu, vous le savez. C'est indiscutable. C'est vrai ou c'est pas vrai? Autrement, voilà. Bien, c'est donc la raison pour laquelle Dieu m'a désespérément invité, dès le début, presque de ma conversion, de mon appel, à fuir dénomination, fédération, et souvent des alliances d'hommes, n'est-ce pas? Parce que si vous faites une alliance d'hommes, ce qui va se passer très souvent, vous allez voir qu'il y en a un qui va prendre le leadership. Et c'est souvent le plus insécure de tous, qui a besoin de prouver qu'il est le chef. Et si vous le laissez faire, vous rentrez dans un système Jézabel Akab. Je me souviens avoir été confronté dans un pays d'Europe. Ma femme m'avait conseillé, m'avait dit ne fréquente pas cet homme. Elle m'avait dit une chose terrible. Elle m'a dit c'est un séducteur. Je lui ai dit mais tu exagères. Mais attention, il ne courait pas les femmes. Non, c'est pas ça. Mais il avait un esprit de séduction pour amener les gens sous sa coupe. Et il avait une ambition démesurée de créer un grand mouvement. Et il a mené avec moi un double jeu, c'est-à-dire ce que j'appelle le jeu de la bâton et du bâton et de la carotte. Ça fait penser à Jézabel, hein? Très gentil avec moi, oui je t'invite, tu peux prêcher dans mes églises, tout ça. C'est marrant ça. Ça fait penser à Jézabel, d'abord gentil. Et puis par derrière, il me critiquait. Il faut se méfier de lui, il est indépendant, etc. Fermez-lui les... Il m'ouvrait les portes. Et il me tuait par derrière. Il me flattait par devant, il me démolissait par derrière. C'est l'état d'esprit de Jézabel. Il avait reçu l'état d'esprit de Jézabel. Quelque part. Je ne connais pas son histoire, je ne connais pas sa maman, je ne connais pas, je ne sais pas. Mais il y avait quelque chose. Et finalement, je l'ai confronté. Parce que j'ai appris ce qu'il faisait. Donc, je lui ai parlé en face. Il a nié devant témoin. Et il a menti. Et un jour, il a dit en public, en parlant de moi, je vais le casser. Un an après, il était mort. Frères et sœurs, je ne dis pas ça pour faire des scoops. Je vous en supplie, ne vous occupez pas de savoir qui est cette personne. Qu'importe. Essayons de comprendre que si nous ne nous décidons pas à marcher désespérément, moi je prie depuis des années, Seigneur, je veux travailler avec des frères avec lesquels qui ne soient pas sous la coupe de Jézabel, qui soient des hommes intègres, absolument intègres, de manière à ce que nous puissions être soumis les uns aux autres, moi à eux, eux à moi, d'une façon... Et vous savez, quand vous rencontrez un homme qui a une véritable autorité, vous n'avez pas besoin de... Si vous en avez une véritable vous-même, l'auto-soumission se fait de la manière la plus naturelle. On a envie de part et d'autre d'être soumis à l'autre. On a envie de part et d'autre de voir l'autre plus grand que soi. On ne fait pas d'effort, on ne fait même pas d'effort. Ça se fait automatiquement. Ok, je l'ai dit pour ma part, tout mon combat depuis toujours, ma persécution fut le fait de Jézabel, etc., etc. Je vais abréger pour en arriver quand même à la fin. J'ai l'immense privilège d'avoir épousé une femme
j'ose le dire, archibiblique, c'est-à-dire une femme vertueuse, comme il n'y en a, heureusement, pas assez, et qui n'a rien de Jézabel. Je n'ai jamais eu le caractère d'un Akab, et elle n'a jamais été Jézabel en rien. Et j'en suis gré au Seigneur. Amen. Je vais peut-être écourter tout cela et terminer. Voilà. J'avais des exemples encore à vous donner, mais je vais passer sur tout ça. Voilà. Voilà. Je vais vous lire à présent, et puis je clôturerai. N'est-ce pas? C'était long, mais je pense que c'était nécessaire. Oh, c'est pas si long que ça, finalement. D'accord? J'ai trouvé sur un site une description de Jézabel que j'ai trouvé assez intéressante à lire. Donc, je vais vous la lire avec quelques commentaires, n'est-ce pas? Voilà. Jézabel était reine en Israël et adoratrice de Baal. Baal, c'est Satan, il faut le savoir, le dieu Baal. Ses capacités sont de contrôler les esprits et de les manipuler. Satan n'agit pas seul. L'esprit de Jézabel est très actif et particulièrement ancré dans le monde actuel. Je dirais même qu'il est extrêmement puissant de par son action. C'est pourquoi elle est citée en Apocalypse 2. Nous l'avons évoqué tantôt, on ne l'a pas lu. Si, on a lu une partie. C'est un esprit puissant car il est très ancien. Je viens de déflorer le sujet avec Ève en Genèse, hein, la chute et puis le rapport de Ève avec son fils Cain, qui est un rapport complètement, comment on dit ça, fusionnel. Mais l'esprit de Jézabel peut être discerné dans les actes du cœur des personnes. Jézabel aime attaquer les serviteurs de Dieu, elle les a en haine. Elle ne les supporte pas. Elle est aussi la fausse prophétesse. Alors, vous savez, quand j'entends une Jézabel me dire qu'elle observe avec beaucoup de hauteur, n'est-ce pas, la chute de tant d'hommes de Dieu aujourd'hui, je lui dis, ce que j'entends, c'est tu n'aimes pas les hommes, tout simplement. Tu t'aimes beaucoup toi-même. Elle est aussi la fausse prophétesse et en haine les véritables prophètes de Dieu. C'est pourquoi en cette période de fin des temps, de miséricorde, elle est très active au sein des églises et des ministères afin de diviser les fidèles entre eux, semer la confusion, la mésentente. Ça, c'est une évidence. J'avais, il y a quelques années, d'excellentes relations qui avaient été créées par un jeune qui avait créé un site et qui m'avait contacté parce que ce que j'avais déclaré sur mon site l'avait encouragé dans une pensée de Dieu qu'il avait lui-même et il y avait donc eu un lien qui s'était fait entre nous et qui était très bien. Il appréciait clairement, n'est-ce pas, ce que nous relâchions et moi je l'encourageais aussi. Et puis soudain, le mur, le silence, plus un mot. Et je lui ai écrit 3 ou 4 fois, je n'ai jamais eu de réponse. Pourquoi ce silence? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai fait quelque chose? Que j'ai dit quelque chose? Pas de réponse jusqu'à ce que je découvre dans les commentaires sur son site le nom d'une énorme Jézabel, et j'ai compris. Une énorme Jézabel qui a avoué, n'est-ce pas, qui a décidé de me tuer il y a déjà 20 ans. Alors j'ai compris, je n'ai pas été plus loin. Jézabel ment et Jézabel sépare, n'est-ce pas, tout ce qui est, elle essaye de mettre dans sa poche tous les serviteurs de Dieu pour les utiliser pour en détruire d'autres. Elle divise, elle sépare aussi des couples, mes amis. Jézabel sépare des couples pour mettre la main sur des femmes. Elle ne supporte pas les unions légitimes, elle les détruit, s'empare de l'homme ou de la femme. Attention, j'ai connu des Jézabel qui emmènent avec elles des femmes qui, quelque part, n'ont plus de relation avec leur mari. Je me souviens d'avoir reçu un jour une Jézabel avec sa comparse et cette femme m'a expliqué tout son délire, puis j'ai compris que j'avais affaire à une femme qui, dans son parcours, femme de pasteur, hein, qui
ayant décidé un jour que l'église où il se trouvait n'était pas bonne, sans consulter son pasteur de mari, qui était jeune pasteur, enfin je ne sais pas trop, quitte l'église avec les enfants et va dans une autre église. Et le jour, elle m'a parlé, ça me dit, mais et vous avez demandé l'avis de votre mari? Je ne sais pas, c'est votre chef, non? Ah non, 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 lui, il n'a rien dit, il a laissé faire. Ben, t'as un super acap de mari, toi. Super acap de mari. Moi, j'aurais dit à ma femme, bah, tu remets, d'abord, tu n'emmènes pas les enfants. Tu ne les emmènes pas. En plus, si tu vas dans une autre église, ben, tu fais ta valise et tu t'en vas. Ou alors, tu m'expliques pourquoi il faut aller dans l'autre église. Mais tu décides pas, toi, avec autorité, que... Vous comprenez la nuance? Je ne dis pas que parfois il ne faut pas. Il y a des églises qu'on doit quitter, elles sont catastrophiques. Mais on y va ensemble. On ne sépare pas les couples. L'esprit d'Isabelle sépare les couples. OK? Elle sépare aussi les personnes sur le web et les réseaux sociaux qui ont pourtant chacun la même croyance en Dieu. Il n'est donc pas difficile de la démasquer, Isabelle. Voilà, il faut ouvrir les yeux. Mais il est plus difficile de ne pas se laisser manipuler. Et quand on commence à lui résister, c'est dur, hein? Donc il faut s'en éloigner. Vous n'avez pas le choix. Dans ma vie, j'ai été manipulé par Jézabel, ça c'est le frère qui le dit, ici, c'est pas moi. Je le sais aujourd'hui depuis que la puissance de l'Esprit Saint est venue diriger ma vie. Je n'avais jamais entendu parler de l'esprit de Jézabel avant l'année dernière. C'est quand même incroyable. C'est un esprit qui se camoufle bien. Pourtant, il est là depuis la chute. C'est le discernement de l'Esprit Saint qui m'a permis de le démasquer, mais également de comprendre comment elle agissait, Jézabel. Jézabel aime le pouvoir, et pas seulement le pouvoir spirituel. Elle utilise tout et tous ceux qui peuvent lui donner du pouvoir. Elle peut dominer n'importe qui. Les arts, la religion, la philosophie, le commerce et les gouvernements des hommes. Alors là, allez voir mon livre écrasé, vous allez voir. Toutes les cultures du monde sont gouvernée par Jézabel d'une façon ou d'une autre, même dans le domaine des arts, le domaine de tout ce que vous voulez. Elle est inflexible, elle ne fait aucune concession. Elle n'a jamais tort. Ça, c'est typique Jézabel. Elle ne reconnaît jamais si elle a tort. Elle n'aura jamais tort. J'ai raison, j'ai raison, j'ai raison. Quelqu'un qui a l'esprit de Jézabel ne demande jamais pardon. Et quelqu'un qui ne demande jamais pardon, ne reconnaît jamais ses torts, bah, il a l'esprit de Jézabel. Jézabel passe l'amour de soi avant l'amour des autres. Pratique la sorcellerie, elle est narcissique, paranoïaque, psychopathe, arrogante, schizophrène. Son univers, ça c'est vrai pour les Akab aussi. Son univers mental est le chaos, la confusion, l'instabilité. Bien souvent, ces personnes sont colériques, agressives et violentes. Jézabel incite à l'adoration de soi, avoir de l'identité, de la reconnaissance, le besoin d'être reconnu des autres. Avoir l'amour et l'adoration des autres ont des proportions extrêmes. Bref, des désirs d'amour excessifs, dirigés par l'ego et le moi qui peuvent pousser ces personnes à perdre le contrôle de leur pulsion. Les hommes aussi, qui sont en plus de Jézabel, sont des gens qui ne se sentent jamais assez aimés. Jamais assez aimés. J'avais cette tendance avec mon épouse, quand j'étais jeune marié. Jusqu'au jour où j'ai compris que j'étais sous l'emprise, dans une partie de ma vie, de Jézabel. Lisez mon livre Echad. N'importe quel homme peut être confronté au fait qu'il est dominé quelque part, par sa mère par exemple, par l'esprit de Jézabel. Il faut s'en défaire, il faut prendre conscience, il faut sortir de là. C'est fait pour moi. Mais j'ai dû le faire. Lisez mon témoignage dans le livre Echad. L'esprit de Jézabel, c'est l'adoration de soi et l'orgueil, le narcissisme. Évidemment, on peut trouver ça chez Akab aussi. Cet esprit a la haine et dirige ses motifs de vengeance sur ses victimes. C'est un esprit terriblement agressif et méchant. Elle est l'humilité et la repentance. Il y a un moment, nous avons reçu un courrier d'une personne, mais elle a juste démontré qu'elle avait une haine profonde pour l'humilité et la repentance. Une arrogance,
horrible, effrayant. Elle occupe l'esprit des hommes comme des femmes. Ça, c'est pas Jézabel. Moi, je dirais Jézabel occupe l'esprit des femmes. Achab, qui finalement lui ressemble beaucoup hein, à la fin. Okay. Ainsi, elle se prendra à ses victimes, parfois même en utilisant la religion et les croyances et toutes les doctrines qui ne proviennent pas de Dieu et qui sont contraires au Christ. En catholicisme, par exemple. Car Jézabel est un esprit de l'antéchrist et du diable depuis la chute. D'accord ? Alors, fatalement, ça sera aussi l'esprit qui sera en rapport avec l'antéchrist. L'antéchrist sera un super Achab extrêmement séduisant. C'est pour ça que je vous ai parlé au début de Léon de Grède, les Belges savent de qui je parle, il est extrêmement séduisant. Maintenant, avec le recul, on dit non, mais sur le coup, si, c'est un super Achab, mais qui donne l'impression d'une grande virilité qui était toute de... Il était courageux. Il s'est illustré avec les Belges sur le front russe, les Allemands leur ont donné des décorations. Oui, il y a toutes sortes de nuances, hein, Achab. Amen. Jézabel souhaite contrôler les enfants de Dieu et les serviteurs de Dieu. Elle est la plus grande manipulatrice et enseigne à ceux qu'elle a séduits le don de la manipulation dans le but de la destruction. Elle est vicieuse et enfante des enfants spirituels qui la serviront. Et ça, je vous assure, mes amis, que c'est vrai. J'ai croisé Jézabel et quand je vois, j'ai eu des gens qui sont venus vers moi, les hommes et les femmes qui ont travaillé pour Jézabel. J'ai vu là les êtres les plus lamentables, nous en avons vu, ma chérie, en tant qu'hommes que j'ai jamais pu connaître, et, n'est-ce pas, ce qu'ils avaient de lamentable avait été encore multiplié par 100 au travers de l'influence de Jézabel qu'ils avaient suivie. Elle choisira les personnes faibles et blessées, retenez ça. Si vous voulez observer Jézabel, vous voyez toujours qu'elle a de l'influence sur quelqu'un de faible. Personne à la personnalité faible. Je voudrais ici encourager tous les hommes, on n'est pas obligé de rester faible. On peut être faible et devenir fort en Christ. C'est un choix, c'est un chemin à suivre. Il faut le vouloir. Il ne faut pas mépriser celui qui est faible. Et que Dieu nous dit d'accueillir aussi les faibles. Moi, je ne méprise pas un homme qui est faible. Je veux l'encourager à sortir de là. C'est différent. Elle utilisera les blessures profondes de ces personnes pour faire naître en eux des sentiments propices à la servir. Elle saurait les manipuler pour dire « Mais moi, je vais m'occuper de vous. Moi, je serai gentil avec vous. » Elle va les, voyez, elle va les maintenir comme des pauvres types hein, en disant « Moi, j'ai compassion. » Je me rappelle d'une Jézabel qui a essayé de faire ça avec nous il y a des années, tant d'années. Elle avait beaucoup de gentillesse. Parce qu'on s'était un petit peu plein de nos souffrances à l'époque. Oula ! Elle était tellement contente. « Mais moi, je vais vous aider, mes petits loups. » Puis quelques temps après, quand elle a voulu nous entraîner dans quelque chose qui était un véritable massacre à l'égard d'une personne qui lui avait résisté, et nous lui avons dit non, schlaf, c'était le contraire. Je te tue. Je te tue, je te maudis. Elle offre, et donc elle développe en ce sens des liens d'âme avec les personnes en prenant possession de leur cœur. Attention à ça. Elle offre des dons de discernement par de faux esprits. Elle procure des dons de médiumnité ou des dons psychiques et pousse les gens vers l'occultisme, la sorcellerie, car elle aime le pouvoir et se sert de ses victimes pour les utiliser à ses objectifs. L'esprit de Jézabel a pris vie et énergie au travers de la sorcellerie, des pouvoirs occultes et des sacrifices. Jézabel aime offenser, utiliser les paroles blasphématoires, les mensonges, répandre les querelles et les disputes. Et ceci est vrai. Elle aime offenser. J'ai entendu de la part de Jézabel des paroles tellement offensantes. Des paroles blasphématoires, absolument. Le mensonge, absolument. Et elle aime répandre les querelles et les disputes. Elle se régale de ça. Comme ça, elle s'installe en arbitre. Elle crée le chaos. Puis elle s'installe en arbitre. C'est moi qui vais vous expliquer les choses. Elle crée le chaos entre serviteurs et puis elle s'installe en disant « Mais vous savez, je vous fais la leçon, c'est quand même triste que vous faites. » Non, elle est comme ça. Elle a cette malignité en elle. Je l'ai vue.
Jézabel désire dominer. Les personnes qui ont l'esprit de Jézabel ont besoin d'être acclamées, d'être écoutées, d'être reconnues. Et évidemment, on le voit. Elles se sentent supérieures aux autres et aiment dominer les autres par leur savoir, dans leurs discussions, de par leur origine. Elles prennent le monopole et veulent toujours avoir le dernier mot ou démontrer qu'elles connaissent tout sur tous les sujets. On connaît. Jézabel est présente aussi bien chez les femmes que chez les hommes. Je ne suis pas d'accord. Chez les hommes mariés, elle les poussera à l'adultère ou à convoiter d'autres personnes. Non, là, moi j'ai dit que Jézabel est présente chez toutes les femmes, à Cab, elle est présente relativement chez tous les hommes, comme chez toutes les femmes, Jézabel s'y trouve, et il y a de l'impureté sexuelle chez les deux. L'impureté sexuelle qui n'est pas réglée. Chez les femmes, elle les poussera au désir d'entretenir des relations sexuelles avec des hommes mariés. L'adultère physique et moral est un délice pour Jézabel, mais aussi l'adultère spirituel contre les noces de l'agneau. C'est pourquoi elle prophétise des fausses doctrines comme celle de flammes jumelles, je ne sais pas ce que c'est, permettant aux âmes souvent féminines d'entretenir des relations affectives et sexuelles avec des esprits et des démons. Je ne connais pas. Jézabel peut se retrouver chez vos amis, vos parents, vos proches, vos collègues, votre supérieure hiérarchie. Souvent, ces personnes investies par l'esprit d'Jézabel auront pour but de vous détruire si vous êtes des enfants de Dieu. Car Jézabel vous hait et veut votre mort. Elle se fera de toutes les personnes de votre entourage pour arriver à ses fins, et elle sera sans pitié. Bien souvent, vous remarquerez qu'il vous sera impossible de faire la paix avec ces personnes, même si vous abaissez, car ce n'est pas l'objectif de Jézabel. Ça, je l'ai vu. Exemple de ce frère avec qui j'ai entré dans la relation, et puis soudain, plus de relation. J'ai essayé désespérément de le contacter, de savoir ce qui s'est passé. Je n'ai jamais pu faire. Alors, je ne suis pas en guerre avec lui, hein. Mais lui est en guerre avec moi, je ne sais même pas pourquoi. Parce que Jézabel l'a tellement bien ficelé que, voilà. Il a peur. Il a peur de dire, mais finalement, c'est une telle qui m'a dit ça et fait ça contre toi. Parce qu'il sait très bien que moi, je n'ai pas peur. Et moi, je vais interpeller l'autre. Il dit, alors, chère Jézabel, qu'est-ce que vous avez dit de moi? C'est vrai, ça? C'est un mensonge. Si vous êtes enfant de Dieu et chrétien, elle peut utiliser ceux qui font partie du ministère de Dieu et vous faire rejeter de l'Église. Ceci est vrai. Le fameux pasteur qui a revendiqué de façon mensongère être le responsable de notre réunion, n'est-ce pas? Vous savez ce qu'il a fait ensuite? Comme je lui avais échappé, parce que moi aussi j'étais sa possession d'homme insécure, il voulait m'envoyer dans une école biblique, puis Dieu n'a pas permis, ça s'est passé autrement pour moi. Il m'a poursuivi partout où il a pu pour me minimiser et détruire mon ministère. Ça c'est typique, quand vous voyez les serviteurs de Dieu qui vous téléphonent en minimisant un autre ministère, vous savez que vous allez faire un Acab, un homme insécure, qui a besoin de détruire les autres pour se donner de la contenance, une existence, une forme qu'il n'a pas. Si vous êtes un serviteur de Dieu, un témoin, un apôtre, les personnes qui vous connaissent se retourneront contre vous, ben oui, pour vous détruire et détruire votre travail spirituel ou votre ministère, absolument. L'objectif de Jézabel étant de vous détruire. L'esprit de Jézabel est en contradiction avec l'esprit de Dieu. C'est pourquoi elle provoquera la contradiction et l'opposition dans votre vie. Elle utilisera une rage implacable, c'est vrai, faisant tout pour détruire votre crédibilité, c'est vrai, vous faisant passer pour un menteur, c'est vrai, alors que c'est elle qui ment. Une mauvaise personne, un faux prophète, car c'est elle la fausse prophétesse, elle est ennemie des prophètes de Dieu. Les gens qui sont manipulés par l'esprit de Jézabel ne se rendent même pas compte, ou s'ils se rendent compte que leurs actes sont mauvais et destructeurs en actes et en paroles, ils nieront l'évidence, car Jézabel ne reconnaît jamais ses torts, et ceux qui sont sous son règne sont ses prisonniers, et ils nieront l'évidence même quand on la met devant les yeux. Donc attention, mes amis, si vous faites le choix de devenir un affidé, un esclave de Jézabel, par l'acheter, vous aurez très difficile de vous en sortir. Parce que le jour où vous voudrez vous en sortir, alors que vous êtes un faible, vous allez avoir devant vous un esprit démoniaque terrifiant qui voudra vous tuer. Et même Élie en a eu peur. Alors vous, qui n'êtes certainement pas Élie, qui n'avez pas ce courage d'Élie, puisque vous commencez par vous soumettre, le jour où vous allez vous lever et dire « Non, je ne veux plus », je connais des tas d'hommes qui ont les jetons devant Jézabel. Bien sûr.
Non, mais je suis temps. Revêtez l'armure de Dieu, et puis Saint Paul aux Éphésiens 6, 10, 13, pour pouvoir résister aux tactiques du diable, car ce n'est pas contre les ennemis humains que nous avons lutté, mais contre les principautés. Eh ben, dis donc, voilà une principauté. Principauté élevée lors de la chute, la reine du ciel. Et les puissances qui proviennent des ténèbres de ce monde, l'armée spirituelle des démons du ciel. C'est pourquoi vous devez vous fier à l'armure de Dieu, sinon vous ne pourrez pas résister lorsqu'elle viendra le pire, ni n'aurez suffisamment de ressources pour tenir. Et l'armure du chrétien, c'est la ceinture de la vérité, autrement ton pantalon tombe, mon cher ami. Beaucoup d'hommes, oui, je vais le dire, c'est pas vulgaire, servent le Seigneur en caleçon et ne le savent pas. Et ils ont les jambes tellement maigres qu'on se dit, mais vraiment, les mecs, là, jamais fait de sport, vous, hein? Oui, je caricature, et alors? La cuirasse de la justice, elle est où, votre cuirasse de la justice? Toi qui suis une menteuse, qui sait que c'est une menteuse? Elle est où, ta justice? Et l'épée de l'esprit, tu la prends dans tes mains moites, gluantes de fautes, de péchés, peut-être de masturbation et autres. Oui, bien sûr. Tu la prends, cette épée de l'esprit. Et tes sandales. Sont propres, tes sandales. Et ton casque du salut. Tu l'as mis aux orties, où il a sauté tout seul de ta tête. Supporter d'être sur le crâne d'un ange. La repentance et l'humilité sont les armes contre Jézabel et par-dessus tout l'Esprit Saint. L'Esprit de Jézabel est comme grand nombre d'esprits qui habitent les plans de notre nature inférieure à tous, mes amis. L'Esprit de la cape nous habite tous, messieurs, nous aussi, quelque part. C'est géré par les émotions. Eh oui, les émotions. Les démons et ce type d'esprit utilisent les faiblesses morales et s'en nourrissent, ainsi que les faiblesses psychologiques et les blessures affectives. Et ça, c'est vrai. Rejetez Jézabel, refusez-la. Demandez à recevoir l'Esprit Saint et dites que vous aimez Jésus-Christ. Repentez-vous devant Dieu du mal que vous avez pu faire sous l'emprise de Jézabel. Mais attendez-vous, c'est lui qui le dit, hein, à ce qu'elle se retourne alors contre vous, en utilisant vos proches, vos amis, pour se venger de vous. Elle peut même, elle peut même faire des choses horribles. Hein, je sais pas quoi. Voilà, mes amis, je vais terminer là, je vais juste lire la fin quand même, hein, il y a une fin. Prêchez ce message un 23 septembre, qui est pour beaucoup un jour si spécial, paraît-il, n'est peut-être pas un hasard, mes amis. Peut-être pas un hasard de prêcher ça aujourd'hui. Je crois que nous sommes arrivés à un tournant. C'est vrai qu'il se passe énormément de choses. Bon, nous sommes aujourd'hui 23 septembre, Shabbat, Jérusalem. Visiblement, tout est là. La fin du monde n'a pas eu lieu, comme certains l'ont. Ah ouais, peut-être encore arrivé jusqu'à minuit, on va voir. L'enlèvement de l'Église n'a pas encore eu lieu. En tout cas, il n'a pas eu lieu. On va attendre jusqu'à minuit, on verra. Si c'est le cas, j'espère qu'on va prendre l'escalator aussi. Si c'est autre chose, on verra. S'il y a une catastrophe quelque part dans le monde, on le saura. Je crois que nous sommes arrivés à un tournant. Je crois plutôt que nous sommes arrivés, je sens quelque chose d'essentiel dans l'air, où Dieu veut peut-être nous mettre devant une alternative. Tuer Jézabel, je parle spirituellement, et libérer peut-être un esprit de réveil dans l'Église. En même temps, peut-être amener une masse de femmes égarées et une masse d'hommes égarés à cap, Jézabel à cap, à se repentir, à dégager le terrain, à libérer les choses pour que peut-être un réveil puisse venir. Peut-être y a-t-il de ça.
Peut-être le faut-il. Peut-être c'est la raison pour laquelle il y a une prise de conscience. Moi, je ressens, hein, j'ai vu ça en quelques mails ces jours-ci. Des gens qui commencent à être fatigués des dégâts que font Jézabel et Acab dans l'Église. L'esprit de Jézabel a envahi un nombre considérable de lieux dans l'Église de manière cruciale. Mais si nous lisons en Apocalypse, chapitre 2, verset 21, Dieu dit que, nous allons relire peut-être Apocalypse 2, verset 21, « Je lui ai donné, donc à Jézabel, du temps afin qu'elle se repente, et elle ne veut pas se repentir de sa débauche. » Amen. Dieu, une tribulation, et Dieu va donc, « Je vais la jeter sur un lit, envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. » Je pense, mes amis, que nous sommes à la veille où Dieu va, n'est-ce pas, envoyer une grande tribulation à beaucoup d'Acab, et probablement à beaucoup de Jézabel aussi. Beaucoup de Jézabel vont ressentir qu'elles sont cernées, qu'elles sont dévoilées, mises en lumière, et qu'elles le seront de plus en plus. Et beaucoup d'Acab vont ressentir, ressentent peut-être, qu'ils sont dévoilés, mis en lumière de plus en plus, et qu'ils ne pourront pas continuer à mentir et à manipuler, à convoiter et toutes ces choses comme ils le font. Et je les invite, Jézabel et Acab, à précéder le dévoilement final, complet de vos œuvres en vous repentant dès aujourd'hui. Dieu vous aime aussi. Vous êtes aussi des hommes et des femmes que Dieu veut sauver, que Dieu a sauvés, que Dieu veut vraiment sauver, ramener à lui. Mais moi, je vous invite, je ne vais pas vous dire, je vous conseille, parce que ça, c'est un peu condescendant, je ne veux pas être condescendant, mais je vous invite à vous repentir et à réparer aussi, à peut-être demander pardon où il faut demander pardon. Amen. J'invite les Acab et les Jézabel de ce temps à réfléchir, parce qu'une tribulation vient sur vous. Une grande tribulation, parce que ça ne va pas permettre que vous infestiez l'Église et que vous la mettiez sous un contrôle satanique encore beaucoup plus longtemps. En tout cas, moi, je ne le veux pas. Et je prie l'Éternel qu'il intervienne. Pas pour que vous soyez détruits, mais pour que vous soyez mis hors d'état de nuire. Je fais cette prière à l'instant, au nom de Yeshua. Hors d'état de nuire. Au nom de Jésus. Je connais les Jézabel que j'ai autour de moi. Eh bien, je prie, Seigneur, pour que tu les mettes hors d'état de nuire. Que tu les amènes à genoux dans la repentance. Que tu les amènes à travers des souffrances, parce que ça ne va pas être facile. Ainsi que les Acab. Alors, demande, Seigneur, que tu les mettes à genoux dans la repentance. Ceci s'adresse à tout homme qui se laisse lâchement pour un avantage vil placé sous le joug de Jézabel. Et il y en a beaucoup. Je dois me faire comprendre. Même dans le domaine intime, de vos chambres, n'est-ce pas? Comment se fait-il qu'un jour j'ai atterri dans la chambre d'un pasteur protestant en France? J'étais invité à prêcher et il m'a fait dormir avec ma femme dans son lit conjugal. Et sur la table de nuit de son épouse, il y avait une bande dessinée avec les 36 poses à pratiquer pour connaître le nirvana sexuel. Vous croyez que ça n'existe pas? Mais ça existe. Je ne dis pas de non, pas nécessaire. Il y a mille façons de résister. Appelle donc vous, les hommes, qui vous laissez lâchement ou par avantage placés sous le joug de Jézabel. Je vous rappelle ceci, lorsque vous croisez Jézabel, vous devez lui résister et vous deviendrez son ennemi. Si vous ne lui résistez pas, vous devenez son ami et son esclave, vous faites partie de son fan club. Il y a mille façons de résister et de se défaire, n'est-ce pas, de l'emprise d'une mère abusive, d'une femme abusive, d'une femme dans l'Église abusive, en prenant position contre une épouse abusive, etc., etc., etc. Je ne vais pas en dire plus que ça, mais je vais m'arrêter là et vous dire de
qu'il est temps de se repentir, mes amis. Il est temps vraiment de faire teshuva si nous voulons que le Seigneur ne vienne pas nous jeter dans une grande tribulation. Parce que je ne crois pas que le Seigneur va permettre plus longtemps, n'est-ce pas? Je crois que le Seigneur veut peut-être encore amener un réveil dans l'Église. Mais pour ça, il va falloir nettoyer les écuries. Les écuries sont pleines de Jézabel et pleines d'Acab aujourd'hui. Je ne sais pas comment ça va se faire. Je crois que Dieu, en tout cas, veut encore le faire. Il n'est pas trop tard, mais il est temps de le faire. Alors, voilà, vous qui vous êtes sentis interpellés, eh bien, prenez vos responsabilités et puis, ma foi, repentez-vous. Et puis, attention, j'ai reçu un jour une lettre d'une femme qui m'a demandé pardon. Et j'ai dit, mais c'est très bien de demander pardon. Mais je sais que vous avez sali mon nom par des mensonges. Là et là et là. J'aimerais que vous me donniez la preuve maintenant que vous êtes allé là, là et là dire j'ai menti. J'ai inventé. Parce que vous me demandez pardon. Parce que vous avez envie religieusement d'être confite dans un peu de sainteté dans votre petite boîte. Égoïste, et pas pour pouvoir aller au culte le dimanche. Hypocrite, la repentance, c'est de la blague, il faut réparer. La repentance va jusqu'au bout. Quand je suis venu à Christ, moi, le Seigneur m'a fait une liste des gens que j'avais blessés. Je les avais trouvés de face. Je dis justement, pardon. C'est comme ça qu'on fait. Ou bien, je répare. Jusqu'au bout de la repentance. Non, ce n'est pas de la repentance. C'est juste la repentance pour vous donner bonne conscience. Justement, il vaudrait même mieux ne pas le faire dans ce cas-là. C'est pire, encore pire. Amen. La repentance. Nous avons besoin de repentance aujourd'hui, plus que jamais. Voilà, que Dieu vous bénisse. Et puis, j'espère ne pas avoir été trop long. Je sais que j'ai abordé un énorme sujet. Ce n'est pas évident. Plusieurs endroits où j'aurais dû pouvoir développer massivement, mais je crois avoir dit quand même ce qu'il fallait dire, l'essentiel. Non, il me semble. Donc, travaillez là-dessus, et puis fuyez Jézabel, fuyez les Acab aussi. Et pour vous-même, repentez-vous là où vous êtes Acab. Et puis, n'ayez pas peur de demander au Seigneur de vous donner cette rage, que vous soyez homme, que vous soyez femme, d'être absolument biblique. Et vous allez voir. Vous allez voir que Dieu va vous montrer que même sans que vous en rendez compte, vous êtes peut-être sous la coupe jézabélienne de votre mère, vous êtes peut-être sous la coupe Acab de votre père, vous êtes peut-être sous la coupe jézabélienne de votre femme, vous êtes peut-être sous la coupe jézabélienne d'une femme dans l'église, dans le corps, etc., etc. Peut-être vous en rendez même pas compte, peut-être vous croyez que c'est bien. Vous savez, moi je connais une Jézabel. Je l'ai découverte, elle avait autour d'elle des hommes qui l'admiraient, qui étaient prêts à s'ouvrir les veines pour elle. J'espère qu'ils ont ouvert les yeux depuis. Amen. Frères et sœurs, ne jugeons pas les autres, mais demandons à Dieu d'avoir cette rage d'être pour nous-mêmes archi-bibliques. Relisez Éphésiens, prenez le temps de lire Éphésiens 5 et 6, les 6 schémas relationnels, de manière à être sûr d'avoir votre ceinture, de manière à être sûr d'avoir votre cuirasse, de manière à être sûr d'avoir l'épée de l'esprit, d'avoir des mains, d'avoir le bouclier de la foi. Vous imaginez un homme en caleçon qui prend un bouclier pour se défendre dans une guerre. Mais écoutez, vos ennemis vont mourir de rire, ils vous tueront déjà à coups de rigolade, ou à coups de figue molle, comme me disent les Corses. Mais je le fais exprès, bien sûr. C'est gros ce que je dis. Mais beaucoup d'entre nous, vous savez, nous disons, je prends le bouclier de la foi, eux étaient en slip, là, tu ne vois même pas. Parce que ta ceinture de vérité, il y a longtemps que tu l'as balancée dans les orties, ta ceinture de vérité. La ceinture de la vérité. Et voilà. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous sauve dans ce temps terrible. Terrible. Bien plus terrible qu'il n'y paraît. Mais nous avons de la joie parce que nous savons que
les principes du Dieu vivant vont supplanter ceux du diable un jour ou l'autre. Et ce jour-là n'est pas si lointain. Amen.